Tiens, pourquoi y'a quoi? Y'a quoi? Les amis de mes amis ne sont pas tous de la famille. T'as fait un franprix, le casse de ta vie. C'est bon, ferme ta gueule, bah l'écoute ta vie. Les frères, on la dalle en Somalie. Trop occupé à faire chicha la nuit. Père des édicts, sacoche élevée. Fais pas la mala, on va te soulever. Peugeot 307 sur la N7. Mais les lits trop à l'arrêt de la banquette. Péter le pactole, c'est notre boulot. Baiser ta sœur, c'est le gros lot. Qui a dit que la hagla ça paye pas? Qui a dit que la hagla ça paye pas? On n'est pas comptable, mais on met des aspas. T'es pas mon ami, toi, me parle pas. On comprend de la pregunta, elle veut la bague. Cette grosse tasse, mytho cognot, t'auras pas mon numéro. Tu veux la merco, t'as qu'à te lever tôt. Caisse, je veux une grosse caisse. Frotte, le bas de caisse. Frotte, le bas de caisse. Hestesse, abalé, hestesse. Salut, juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi, à tout de suite. Ah oui, et au fait, vous pouvez me retrouver tous les soirs en direct sur ma chaîne Twitch à partir de 22h, 22h30, tu connais, je suis marocain. Le lien est en description. Salut. Sans un moment, j'ai rendez-vous avec les Dugan pour acheter des armes, ok? Vous vous rappelez le mec avec qui on s'était bourré la gueule? Enfin, Tobias, c'était bourrer la gueule, etc. Enfin bref, lui, on fait partie de la famille Dugan, et eux, ils gèrent le business des armes en ville. Le Tony m'a dit, en fait, je peux te vendre des armes, mais ça va être chaud parce que t'es un citoyen, t'es un civil, en gros, tu vois. Et moi, je veux leur faire comprendre que je suis pas un simple civil, tu vois. Je veux leur faire comprendre que, tu vois, on tape des fourgons, on tape des banques, on tape des bijouteries, tu vois. Genre, on est quand même un groupe illégal, on n'est pas des civils lambda, tu vois. Donc, il faudra que j'arrive à convaincre leur chef de me vendre des armes. Et après, mon but, c'est pas de les revendre derrière, hein. Mon but, c'est d'avoir des grosses armes pour faire la pacifique, tu vois. C'est à peu près ça, le truc. Le fameux test radio. La manette, on est au QG, regarde. Vas-y, je suis au QG. Allô? Ok, bah on arrive. Ouais, ça va ou quoi? Incroyable, non mais vous êtes réactif, mais d'une manière... Je l'ai entendu direct. Incroyable. Ah ouais. Les gars, on a rendez-vous avec le chef des Dugan pour acheter des grosses armes. Tu vois là? Ouais, mais les gars, faut qu'on réussisse à le convaincre qu'on n'est pas des civils lambda, qu'on est vraiment des mecs qui faisons du sale. On fait des braquages tous les jours, bien sûr, on n'est pas lambda. Ouais, bah oui, justement, mais eux, ils le savent pas, tu vois. Les gars, faut que je vous donne après l'accès à un nouveau garage 13 places et un nouveau stockage à côté. Vas-y. Ah oui, il y a les balas, ils nous ont contactés. Uber otage, deux otages, ils veulent. Non, frère, nous, c'est fini, Uber otage, on est plus Uber otage, nous, ils se démerdent. Hein. Voilà. Frère, t'as cru qu'on était leur petit ou quoi? Ouais, ça c'est Keftai, c'est son problème. Hein. Ça a 2000$ en plus, tu vois. Bon, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi, de l'argent, nous? Wouah, t'es allé ouf, comment il est vide! Ouais, c'est votre garage, si vous voulez. Wouah, ça va être notre garage à nous? Ouais. Alors. Il est crazy, man. Bah, parfait. Normalement, vous pouvez rentrer. Merci beaucoup. Attendez, il y a aussi le local au fond, là. Regarde, Uber Otage, c'est fini, nous. On travaille pour les gangs. Mais on travaille pas pour eux, on travaille pour nous. Non, mais frère, 2000$, que j'en ai à foutre, moi, de 2000$, on tape deux flicas et une bijouterie par soir. Mais j'ai pas encore vu la couleur de l'argent, pour ça. Mais attends, justement, parlez pas, les gars. Tobias, t'as reçu combien aujourd'hui sur ton compte? J'ai reçu 30 000$. Merci. Hamid, t'as reçu combien? 30 000$. Super, merci beaucoup. Et toi? Et comment dis-tu? Bah, tu m'as pas passé ton IBAN. Vas-y, viens, on va à la banque. Ah oui? Habille-toi. Vas-y. Chercher mon véhicule. Attends, les gars, j'appelle juste Dugan, comme ça je fixe un rendez-vous. Vas-y, je vais chercher mon véhicule de toute façon. Allo? Ouais, Tony, ça va quoi? Ouais, ça va super. Ouais, je te dérange pas. Là actuellement, non, fait une petite transaxe tranquille. Ok. Écoute, je suis toujours intéressé hein, pour ce que je dis cet après-midi. Donc, ok, t'es disponible aujourd'hui? Ouais, je suis dispo. Et dès que t'as une horaire, tu m'envoies ça par message, ok? Je vais essayer de parler avec mon chef et je te dis quoi. Vas-y, ça marche, vas-y, tiens-moi au courant. Salut. Vas-y, je te dis ça, ok. Vas-y, on va rendre la voiture vite fait. Mais pourquoi t'as volé la voiture, toi? Bah, je lui ai demandé 2000$ contre la voiture. Starfalla, pourquoi tu veux nous mettre dans la merde à chaque fois? Regarde! Mais t'es un crevard là, tu vas recevoir 30k? J'ai une famille à nourrir. Oui, non, mais c'était prévu avant que tu viennes, ça, Roya. Ah, bah maintenant c'est bon. Attends, mais c'est pas la voiture à Loukou? Si, c'est lui, pourquoi? Starfallah, t'abuses. Pourquoi? Mais il est gentil, mais il a fait une flic avec nous hier. Mais moi j'en sais rien, moi, il est venu, il m'a insulté. Il m'a dit, Kefta, t'es mort, je vais tuer toi et toute ta génération future. J'ai dit, et après je l'ai braqué, je lui ai dit lève, je lui ai pris la voiture. Après je lui ai dit si tu veux récupérer la voiture, regarde, reviens ici avec 2000$ et sinon tu es de la merde. Je tue tes pneus, ta carrosserie. T'as cru la vie c'était un film, ça ton problème. Il est où là? Regarde, la vie de Kefta est un film.
Loukou, ça va quoi? Ok, t'as la cam. Bah, boyo. Ouais, ouais, non, mais désolé, il est con, il savait pas que c'était toi. Bah, il est complètement con en plus, il a dit de se présenter, il s'est pas présenté, c'est tout. Il s'est pas présenté, t'as les 2000$ ou pas? Mais si, il a 2000$, mais d'abord, tu te présentes. On va avec les moyens du bourré, mais tu te présentes d'abord. Moi, c'est. C'est Mouloud Kefta. Mouloud Kefta. C'est Mouloud Kefta. J'aime bien tout ce qui est. Anas l'Arabi. Ok. Vas-y. Il va chercher l'argent, il est caché là-bas. Mais non, mais on s'en bat les couilles, ton argent. T'inquiète, reprends ta voiture, on se barre. On voit l'argent. Wesh, mais Kefta, là, je vais t'envoyer. Je vais te faire un virement, de quel argent tu parles, wesh. C'est grave. Ouais, vas-y, on y va, de toute façon. Allez, viens. Loukou, j'aurais peut-être besoin de toi ce soir, d'ailleurs. Ouais, Loukou. Ok, vas-y, ça marche pas. Loukou, oublie pas les 2000$, t'as une dette envers moi, regarde. Allez, ah bon. Allez, go. Ton crâne plat, il était dans rien du tout. Eh, mais la vie, mais tu je l'ai déchiré. Tu vas voir. Tu veux pas t'habiller, s'il te plaît? Ouais, pourquoi? Parce que t'es en caleçon, frère, depuis tout à l'heure. Enfin, je sais pas, je dis rien, mais c'est un peu chiant. Ouais, mais c'est un peu chiant pour nous, quoi. Pourquoi? Ouais, c'est le gouverneur, c'est le gouverneur. Bah, pour nous aussi, croyant. Viens voir, regarde, t'as vu ou pas, croyant? Seulement, t'avais un corps d'Apollon, croyant, d'accord. Mais ça doit être fou, là, le gouverneur, ça. J'ai un corps d'Apollon. Ok. Vas-y, croyant, tu vas me donner ton Liban, viens à côté de moi, croyant, dans la banque. Allez. C'est bon, toi... t'as reçu là ou pas? Attends, je regarde. Check. Attends, regarde, tu m'as envoyé 30, pourquoi j'ai 28 000? J'avais des dettes? faut croire que oui, hein. Regarde, je crois que j'avais des dettes. Eh, hey, Roya, t'as pas de chaussures par hasard? Si. Ah, ok. Vas-y, parfait. Putain. Ah, bon, t'étais un hasse de ouf. Mais ma vie, c'est net, Roya. Mais il a habillé vraiment un petit comme un ministre, incroyable. Ah, moi, Roya, c'est tout ou rien, y'a pas de. Là, c'est, ouais, c'est plus rien, là, pour le moment. Ah, voilà, les gars, le plan pour ce soir, Inch'Allah. Je vous donne un indice, d'accord? Là, j'ai un plan, les gars, pour battre les flics. Sur terre, sur mer et dans les airs. Incroyable. Non. Des jetpacks. Non. Parachute, jet ski. Et en fait, jet ski après moto. Ou même voiture en vérité, c'est pareil. On fait dans l'autre sens là en fait. Ah oui. Les gars, vous rappelez le pont qu'on a fait la dernière fois? Et en fait, on aura des jet skis, ok? On aura des jet skis. Jet skis, ils vont partir, non? Justement, on va laisser quelqu'un. On va laisser Loukou, okay. Je pense, les gérer. Donc, on sort de la flica. On saute au niveau du pont. On prend les jet skis. Avec les jet skis, on va là où je vous emmène là maintenant. Alors faut aller d'accord. Ouais, le pont là, le petit pont à gauche, le truc métallique là. Ouais. Oui. Voilà. Bon en fait c'est là où on va s'arrêter. En fait on vient de là-bas. Tu vois, nous on vient de là-bas. On vient de ce côté-là. Ok, d'accord. Donc je vous fais le truc. On arrive en jet ski. Ah bah non, c'est bloqué. Et en fait ici à droite ou un peu plus loin, tu vois, on aura des BF 400 qui seront cachés genre à peu près. Ouais, on va mettre les BF 400 ici, tu vois. On récupère les BF ici, donc les flics ne peuvent plus nous suivre en bateau, ouais. D'accord, parce que ça bloque. Et ensuite, on continue, donc bah, imaginons qu'il y a un hélicoptère, donc l'hélicoptère c'est un peu chiant, on continue. Et soit on remonte directement à droite, il y a des rails, avec tout au bout un tunnel. Là il y a un rail, ok. Donc, sinon BF, on fait le métro. Donc BF 400, et en fait vous allez tout droit. Et tout au fond en fait il y aura un tunnel. Après on peut très bien se disperser, à gauche il y a une entrée, tunnel. Voilà, sinon il y a une entrée tunnel au bout à droite. Donc après c'est comme on veut, tu vois. Mais l'idée de base en fait c'est de bloquer les bateaux, les jet skis à ce niveau là, tu vois. Et ensuite partir soit en voiture soit en BF. Bon, en BF je pense que c'est mieux, tu vois. Mais après on peut très bien mettre une voiture, quoi. Ça vous parle? Carré. Okay. Ça va Kefta? Ça va. Carré. Tranquille. Oui. Carré. Et moi je veux savoir le coup. Ouais. C'est lui qui va avoir les vérifier les véhicules. Alors, je pense que là pour le coup on aura besoin de deux personnes. Loukou. Ouais, t'as capté. On aura besoin du coup de Loukou pour les jet skis et quelqu'un d'autre pour les motos. Hier t'étais pas là Kefta, mais on a fait un truc avec aussi une meuf là, Carly. Elle était carrée de ouf en vrai. Ouais, de ouf. Je pense qu'on va lui dire elle de s'occuper des motos, des BF 400 et Loukou du jet ski, ou bien inversement, on s'en fout, tu vois. Ouais. Et voilà. Après j'ai deux autres plans, mais en fait c'est deux autres plans où en fait en 30 secondes on s'amplifie.
Bon, je c'est nul, vas-y, moi vas-y. J'aime bien oui. Zama. Oui, toi. Bah moi aussi, mais après, imaginons, et sait-on jamais qu'on est vraiment en difficulté sur une fois. Ah ouais, vas-y. Si par exemple, un jour, vous êtes vraiment en difficulté, donc c'est un plan très simple, hein, vous descendez d'un véhicule, vous courez, il y a un autre véhicule qui vous récupère. Mais le truc, c'est que le temps que les flics comprennent ce qui se passe, qu'ils fassent le tour, ce qui est impossible parce qu'ils pourront pas faire le tour. Comme on a fait avec le camion. Voilà, comme on a fait hier, en fait, tout simplement, tu vois. Ouais, c'était hier, ouais. Hier, on a sauté, il y avait un parking, on était bien, tu vois. On dépose le véhicule ici, ok. Pam, vous descendez. Ouais. On court. Et là, en fait, on arrive de l'autre côté. Il y a un véhicule qui nous attend. Et c'est bon, quoi, c'est win. Bah, après, c'est win, quoi, tu vois. Tu montes dans le véhicule, tu pars tout à gauche. Et voilà, ouais, t'es allé le ouf. Temps qu'il fasse le tour, ce qui est impossible. C'est vraiment qu'on est house. Les gars, le mieux, c'est pour leur donner un nom à ces plans d'urgence. Bah, là, on peut dire plan Arcadius. Hein. Ouais, Arcadius, ouais, pas bête. Celui-là, on l'appelle Arcadius, ok. Ok, et l'autre. Et celui-là, on va l'appeler Parking Vert. Bon, c'est parking vert, ok. Attends, faut que je me rappelle. Ah oui, il est à droite. Ah, c'est ici. Tu vois les escaliers là? Tu les montes. Ouais. Et après, il y a l'autoroute directement et tu prends un véhicule. Et... Ah ouais, celui-là. Il y a tellement de possibilités dans celui-là. Celui-là, c'est 100% win. Hein. C'est mort. Hein. Et en fait, le truc, c'est que vous allez à gauche, tout à gauche. Vous prenez pas à droite parce qu'à droite, ils peuvent remonter, tu vois. Badek. Vous allez tout à gauche. Et après c'est oui quoi, tu vois, ils peuvent rien faire. Le temps qu'ils fassent le tour et tout, c'est mort. Moi ce que je propose, c'est que on garde tout le temps les mêmes places dans le véhicule, tu vois. Pour pas qu'il y ait de... Tu vois, genre de ouais mais je savais pas... Là, là. Genre vas-y. Dans 90% des cas, je serai le conducteur. Si jamais je suis pas conducteur, je serai à côté du conducteur. Donc après, à vous de déterminer vos places, d'accord. Ok. Deuxième conducteur, ça serait bien Kefka. Ok, donc moi conducteur, ensuite Kefta côté passager, et à vous de définir après vos places à l'arrière. Ouais, c'est pas allez, très grave. Non, c'est grave parce que le temps que tu fasses le tour et ça, les flics peuvent très bien te braquer et c'est mort. Après, ça dépend, c'est très bien qu'on est dans le feu d'action, ça dépend qui est premier et tout. Non, mais regarde, écoute, même s'il y a personne à la voiture et que tu montes par mégarde côté conducteur, mets-toi à l'arrière directement après. Ah oui, normal. Comme ça, au moins, on est tranquille. Ok, ouais. C'est bijouterie, non? C'est plus simple. Bijouterie, on fait ce plan pour une bijouterie ou... Ouais, bijouterie, ouais. Parce que bijouterie, j'ai l'impression qu'ils sont plus énervés que quand on tape une flika. Ouais, c'est ça, flika, ils ont l'habitude, bijouterie, ouais, c'est plus rare, Zama, tu vois. Vas-y, on va tous prendre une BF, ok. Et on va les placer là où on a dit. Faut appeler les contacts aussi, hein. Ouais, le coup, il a dit qu'il était dispo. Maintenant, je vais voir avec Carly. Mais la fille aussi, là. Ah, je vais l'appeler. Allez, elle a des cheveux rouges. Ouais, exactement. T'as vu? Tu connais la fenêtre? Non, parce que tout à l'heure on avait une meuf qui s'appelait Hayat, elle va pas être contente. Mais laisse-moi terminer, oui, que vas-y, j'ai vas-y. Y a, tout à l'heure on a croisé. Oui, les filles, bah bien sûr, oui, d'accord, allez, c'est bon. Si? Ouais, Loukou, tu vas bien? Oui, bien, et toi, Chiquito? Ouais, ça va. Dis-moi, t'es disponible? Oui, bien sûr, dis-moi. Ouais, tu peux venir avec ton véhicule à la pause que je vais t'envoyer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Vas-y, à tout de suite. Carly, répond pas, Loukou arrive. Ah ouais, voilà, t'as capté. Je vais demander, je pense, à Mamba. Mamba pour les deskis. C'est le mec qui est à la BMF, non? Ouais. Oui, allô? Yo, Omar, ça va quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Dis-moi, y'aurait moyen qu'un mec à toi soit dispo pour ce soir ou pas? Compliqué, on est en sous-effectif ce soir. Ah, ok, ça marche. Vas-y, bon courage. Merci. Bon, bah, il est pas là. Beau gosse! Ça veut dire que c'est avec lui qu'on monte sa voiture, hein? Beau gosse, mais y aura pas cette place vu que c'est une de place. Bah voilà. Et bah qui monte sur place, nous? Tranquille, il a fait de la musculation, il a pris quelqu'un sur le dos. Viens, je t'explique le plan parce que je sais qu'ils vont tous crier là. Le plan est simple, en fait, on va taper une bijouterie. Puis à cela, en fait, on va récupérer des jet skis. Et tu vois, on a placé des motos ici parce que tu vois, avec le petit pont là en ferraille, ils pourront pas passer. Donc c'est à ce moment-là, en fait, où on repartira nous de notre côté avec les BF400. Et on a besoin de quelqu'un qui surveille les motos, etc., qui soit en place quand on est là, quoi. Il y avait les préchauffés. Exactement. C'est bon pour toi? Préchauffé. Mais tant qu'il fait la vie, il fait le préchauffage, il coupe, il fait... Alors, surtout, s'il ne peut rien faire, là... Ouais, bah oui, comme hier. Et attends, sur c'est les deux places, ce genre de travail. Parce que tu connais pas Dr. Loukou, le réingénieur de Los Santos. Je te connais pas, non. Effectivement. Voilà, il est sur le docteur qui fait rien, le réingénieur. Si toi quand on a besoin d'un mec qui fait du travail propre, c'est chez toi qu'il faut aller, c'est ça. Voilà, exactement, surtout pour rien faire. Si t'as besoin de rien, tu m'appelles. Vas-y, parfait. J'arrive les gars, je suis là. C'est des deux places les motos ou bien moi?
Ils peuvent pas, on dirait des enfants, wesh. Les gars, arrêtez de jouer, arrêtez de faire du break la voiture, s'il vous plaît. Hamid là. C'est Némé. Ouais, Alvaro, ça va ou quoi? C'est tranquille, ouais, tranquille. C'est plutôt le temps passe à la vie, c'est toi? Non, non, et en fait, j'ai besoin de toi. Enfin, peut-être de toi ou un de tes gars, si possible. Okay. En fait, on va taper une bijouterie et en fait, dans le plan de fuite, on aurait besoin de... Quoi? Pourquoi tu me prends mais il allait faire une bijouterie là maintenant. Mais va, non, mais va au pire, c'est pas grave, fais-la d'abord et après on tapera, tu vois. Non mais tranquille, vas-y, dis-moi c'est quoi ton plan. Et en gros, on aurait besoin d'un gars qui surveille les jet skis, qui soit sur des jet skis au moment où on arrive en fait, où on saute d'un pont, etc. Tu vois. Sauter d'un pont carrément et toi. c'est un film ou c'est quoi que tu vas faire là? On essaye. Attention, pas te blesser, si t'as besoin du cascadeur. Non, t'inquiète. Ok, coup, ok, bah écoute, moi je te propose un truc. Ouais. Je vais demander donc à un de mes gars qui va rester là où tu veux. Là où il y a les poyous qui sortent le bateau, c'est ça que tu m'as dit? Non. T'avais mal compris alors. Non, ça sera au niveau d'un pont, j'enverrai. Bon, de toute façon, tu me diras où il faut, d'accord? Ouais. Juste une personne qui surveille que. De surveille quoi exactement? Des y a pas de poyous là-bas? Des skis. Non, juste des skis. Il y aura des skis. Ah, s'il y a des skis ou pas, c'est ça? Non, il y aura 4 skis. Moi je vais ramener 4 skis, il faudra juste qu'ils surveillent. Ok, pour être sûr qu'il y a personne qui les vole ou d'accord. Ok, d'accord. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ok, mais tu nous payes combien? Je sais pas, vous demandez quoi? Tu sais quoi, je vais rien demander parce que tu m'as apporté des bonnes nouvelles, d'accord? Vu que, entre guillemets, tu vas me faire plaisir ce soir, je vais te rendre ce service-là, ok? Ok, ça marche. Dans combien de temps tu fais ta bijouterie là? Il faudrait que quelqu'un soit disponible, après je verrai avec lui, et ensuite on se prépare et puis on attaque, quoi, tu vois? Donc d'accord. 15-20 minutes, je sais pas, tu vois? Ok, fais rapido quand même, d'accord? Oui, non, mais toi, dis-moi si c'est bon et tu m'envoies ton gars. Je viens de récupérer au pire. Mes gars me sont devant moi, il explique et il te rappelle, d'accord? Ok, vas-y. À tout de suite. Ça marche. Vas-y, gars, montez les gars dans la Sultan Blanche, s'il vous plaît, les gars. On va bouger, on va commencer à se préparer. Faut qu'on aille récupérer le Mara qui va surveiller les jet skis et tout. Vas-y, okay. Loukou, on se tient au courant de toute façon via la radio. Bueno, je vais rien faire là-bas, allez. Ça marche. Tu vois le pont là, au-dessus de nous là? Et ben voilà, et là on va sauter là, en fait, on saute, on va amerrir sur l'eau, tu vois, et le gars... C'est le pont de l'autre, okay. Celui-là, c'est le gars, oui, c'est ce que je dis, ouais. Sauf qu'au lieu de monter tout en haut, on va sauter au niveau même du pont, tu vois. Et les jet skis, tu vois, ils seront à peu près là, tu vois. J'ai testé avec le parachute, on atterrit à peu près ici, tu vois, genre, pas plus loin que ça, tu vois. Donc okay, les jet skis, tu vois, on va les mettre en bas, là, tu vois, genre, juste là, tu vois. Ah, faut vraiment qu'ils viennent maintenant, ça va bouger trop vite, hein. Je reste dans l'eau, on sait jamais. Les GPS qui déconne. Ouais, je t'ai dit, si. Ça va quoi? Tranquillo et tout. Ça va, merci. C'est... Alors, du coup, enchanté, salut. Oh là là. Je dois t'appeler comment? Lobo. Lobo? Si. Ok, bah salut Lobo. Alors du coup Lobo, ta tâche c'est de rester ici, tu vois, et là il y a des jet skis. Il faudra juste, les empêcher qu'ils dérivent de trop. Et, okay. Et surtout éviter que des gens les volent. Parce que en fait notre truc c'est que, tu vois le pont ici là? On va sauter de là en parachute et on va amerrir à peu près à ce niveau-là et ensuite on va nager pour récupérer les jet skis. Alors, je vais te dire un truc, ouais. Tu sais qu'il y a des courants avec la mer. Je sais, les jet skis vont tout le temps partir, il va faire comment pour les garder si à chaque fois ils vont partir loin et tout? Regarde Tobias comment il fait. Les 5 c'est impossible à mon avis. T'as vu? Non mais Tobias il arrive, regarde. Après c'est une sirène lui. Si bien sûr, regarde. Après le but, regarde. Après le but c'est, moi je m'en fous même s'ils vont loin et tout, genre. Du moment qu'ils restent dans la zone, moi ça me va, tu vois, je m'en fous. Ouais, parce que de toute façon, on va pas atterrir ici, tu vois, on va mérir sur l'eau, tu vois. Donc, moi à partir du moment où il y a 5 T6, moi ça me va, tu vois. Il y en a 5, on est 4, pourquoi 5? Je te laisse quand même t'échapper parce qu'il y aura quand même les flics. Écoute, nous on partira vers la gauche. Toi, je te conseille d'aller vers la fête foraine, un truc comme ça, dans les canaux et tout, comme ça on vient d'aller te récupérer, d'accord? Voilà. Est-ce que tu comptes sauter du pont ou pas? Oui. Ok, mais déjà fait, normalement, si vous êtes tous en bonne santé, ça devrait le faire, hein. Ouais, c'est bon. Si vous êtes pas trop bien et tout... Ah, parachute, ok, ouais, excuse-moi. Non, oui, non, parachute, je crois vraiment. Ah, oui. Ah, mais vraiment, film d'action, hein. Ah, Varro, t'abuses, hein. T'as cru que j'étais un dauphin. C'est toi qui abuses, là. Moi, je pensais justement que tu allais faire un beau plongeon. Non, t'es là, parachute. Tom Cruise de Los Santos. C'est ça. Tom Cruise de Marrakech. Si. Voilà. Ok, bah écoute, de toute façon, tu as entendu, juste vérifier les jet skis qui restent dans les environs. Il faut que tous les jet skis soient là. Ouais, on combien vous va faire de la mission? Nous on est 4, on sera 4. Ok, donc il faut qu'il y ait les 5 plus les 4 plus le tien, le 5ème, d'accord? Après, si le 5ème il est pas là, je me démerde. Ouais, c'est okay. Comme tu veux, tu pars à la nage, je sais pas, tu fais comme tu veux. Ouais, je me démerde, t'inquiète. Vas-y. Okay. La radio c'est 54.00, la radio commune. Bon, vas-y. Vas-y, merci à vous. Il disait dès que tu finis ta bijouterie et que tu es en sécurité, vraiment, tiens-moi au courant plus vite parce que ça il peut aller le faire après. Allez, à tout à l'heure. Vas-y, les gars, on décolle. Il se coule les skis? Oui, c'est bon, il est sur la radio, t'inquiète. Ça marche. Il s'appelle Lobo. Bon, salut, Lego. Non, Lobo. Lobo. Est-ce que ton petit frère il s'appelle Tommy?
Lobotomie. Crazy, man. Crazy. You're crazy. Franchement, on dirait, les gars, on tape une Pacific Bank. Hein. Sérieux, c'est propre, mais au moins ça va être stylé. Bah, bon, après, on s'entraîne pour la Pacifique, les gars. Le but, c'est de faire la Pacifique. Hein. Ça, c'est juste d'entraînement, tu vois, c'est du training, quoi. Pourquoi Pacifique pour t'as fait un plan de ouf, hein. Ouais, y a des trucs qui sont prévus. Ok, c'est des. De la magie marocaine et tout. C'est quoi? Je suis pas encore marocain, moi. Mais skin, comment ils doivent galérer avec les jet ski loot? Ah ouais, mais c'est une galère. C'est un truc de ouf, là. Ah, on dirait des garderies. C'est normal qu'on l'a pas récupéré le bâton la dernière fois. Ah ouais, c'est sûr. Il est tout seul à faire ça, mec. Ouais, je peux le pousser. Vas-y, mettez-vous en tenue OP, là. Ah ouais, mais j'ai pas de tenue OP, moi. Tenue OP, putain. Sérieux? C'est ça ton problème, tu vois. Ça a changé depuis hier, regarde, j'étais pas au courant. Ah ouais, chauffe les genouillères et tout, chauffe. Ah ouais, ah ouais, ouais, ah bah ouais. Je vais me faire une tenue en vite fait alors, non? Non, ça y est, on a plus le temps, frère, t'es fou quoi. Et ouais. Chaque jour, à chaque fois qu'on lui dit ça, tous les jours, bah vas-y, je vais me faire une tenue. Bah vas-y, faire une tenue vite fait alors. Mais regarde. Ouais, ah mais tu t'es mis en Deadpool, que ça? Bah ouais, mais ça fait OP un peu. Ouais, ça fait grave OP, ouais. Non? Si. Ouais, de fou, regarde, t'inquiète. C'est ça que t'es de fou de ma gueule. Ouais, vite fait. Les gars, à la radio, on récupère un véhicule et on décolle pour récupérer les otages et rentrer dans la bijouterie. Il y a la police là où il y a les véhicules qui viennent nous contrôler. Et ils t'ont contrôlé? Qu'est-ce qu'ils font dans les cadeaux? Invente un truc. Ouais, c'est un mec qui fait une petite course avec tes enfants, quoi. T'organises une balade avec ton club de motards, je sais pas quoi. On me demande le numéro de série des voitures. Wesh, mais ils veulent quoi, eux? Numéro de série, qu'est-ce que ça, numéro de série? Ils veulent pas s'occuper de leur cul un peu, wesh, c'est quoi, c'est... Mais ils font quoi dans les canaux, c'est fou? Qu'est-ce qu'ils font dans les canaux, déjà, de base? Attends, je désolé, je vais lui dire tout trois mots, lui. Attends. Allô, l'Espédi? Eh ben voilà, demain, tu veux numéro de série? Demain, à ton père, il va te dire numéro de série. Vas-y, au revoir. T'as entendu ou pas que ça? Le coup, il se fait contrôler avec les BF400 dans le canal. Pourquoi? Je sais pas, il demande des numéros de série, je sais pas. Quoi? Ouais, je sais pas. Mais c'est des BF400 qui sont garés dans un canal, il est là le problème? Je sais pas. Bah oui. Putain. Staff là. Ils vont faire quoi? Ils vont les retirer? Je sais pas, j'attends radio. Bah, parce que pour la suite du plan, il est dans la merde, le com, skin. Non, mais là, il a fait que là. On va attendre ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'ils font le coup? Ah, il répond plus. Vas-y, enlevez les masques. Vas-y. On enlève masque, j'ai les. Ah si, c'était pas sur YouTube, ça, comme tout à vous a été dit. Je pense qu'il peut pas trop parler radio aussi. Non mais tu sais, Tobias, il a du mal aussi. T'as dit quoi? Répète un peu. Au cas où. Non mais au cas où, quoi, parce qu'on comprend pas trop, en fait. Les mecs, j'ai pas entendu. Les mecs, il est devant la police. Vas-y, répète. Roya. J'ai pas entendu ce qu'il a dit. T'inquiète. On va dire c'est pour nous, on fait partie d'un club et tout, et c'est quoi le souci, wesh? Enlevez vos gilets au cas où vous en avez. C'est bizarre, frère, il y a des flics, il y a des butres et ils trafiquent de drogue. Oui, parce que l'autre il voulait bien faire chier son monde. Ils sont partis là? Bon, de quoi ils sont partis? Si, bon, si, je connaissais la yam de police, c'est bon. Ah, ok. C'était qui? C'était qui l'agent là? C'était 25. C'est qui celui-là, wesh? 25? Non, 45, c'est 45. 45, ok. Il le connaît, il lui a donné une tequila, il m'a laissé tranquille. Mais l'autre, il allait me faire chier, pour le numéro de série, de je sais pas quoi. Vas-y, parfait. Nous, on décolle, on récupère les otages. J'ai demandé s'il voulait aussi le ticket de caisse avec. Ouais, bah voilà, c'est ça. Allez, Max, tout le monde Max. 2, 3. À gauche. Ok, raccroche ton téléphone. Putain. Lève. Raccroche ton téléphone, mon pote. Lève. Toi aussi, lève. Donne-moi ta radio, ton téléphone, etc. Je t'ai tout donné, je t'ai. Oh là. Raconte pas ta vie, fils de flit. Vas-y. Ferme tes marches arrière. Allez, montez à l'intérieur. Lève et monte. Je voulais pas gagner, n'est pas trop carré là. 3 voitures, hélicoptère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, du coup, bah, braquage de bijouterie, écoutez, on a 2 otages. J'ai pas encore leur nom, mais écoutez, on a 2 otages de sexe masculin et on aimerait 1 000$ par otage. On peut voir les otages? Oui, bien sûr. Si. Je ramène. You're crazy, man. Cette tête des chevaux, là, il fume. Les otages. Vous avez été vachement réactif en tout cas ce soir. Hein. L'hélicoptère, il est arrivé avant les voitures. Voilà. Ouais, il était déjà déployé le. J'imagine. Vous allez bien, messieurs? Vas-y, oui, voilà, ton père, il va te dire. Allez bien? Approchez-vous. Ça va. Il vous parle. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Ouais, d'ici une dizaine de minutes, ce sera fini. On va bien manger. Vous avez des revendications? Non, on veut 1 000$, c'est tout. Voilà. Par otage. Et à manger un peu, s'il vous plaît. J'ai faim. Je reviens vers vous. Si ça vous dérange pas. Je reviens vers vous. Oui. Ils sont fatigués.
Ils ont fait nuit blanche aujourd'hui les flics ou quoi? Regarde, c'est bon, l'hélicoptère il est venu super vite, je l'ai entendu. Ouais, il était déjà déployé en fait, il était déjà dans la zone. Ah d'accord. Ah, okay. Mais ça c'est une tenue OP ça. La mienne? Ouais. Ouais, t'as vu? Sortez, que là c'est classe de fou. Bon, ouais, les chaussures éclataxe, mais... Non, justement, ça fait dark. Dark. Comme ça, le jour où je fais comme ça, ils vont pas me voir. Ça fait dark, hein, regarde, ça fait pas dark, hein. C'est trop bien, sinon j'ai ça, regarde. Vas-y. Voilà. Ça, t'as vu, t'as les bottes, je c'est le t'as détail. Vu, voilà. Bien joué. Un dès qu'ils ont les jumelles. Tu connais Bon Fortuna? Non. Un dès qu'ils ont les jumelles, ils ont les jumelles. Et alors, pause, c'est pause. Bah, pause. Ah, t'es en mode sérieux, quoi, en mode sérieux, ça. Vas-y, attends, je sors les jumelles aussi. Ouais, c'est bien des jumelles. Non, regarde. Putain, il me faut des jumelles, faut que j'en achète. Ouais, voilà, t'es vraiment bien posé en vrai. Purée. Ils sont beaux quand même. Oh, ils sont pas. T'entends l'hélicoptère? Ouais, il est toujours en suspension. Pourquoi il y a une moto là-bas depuis qu'on a tapé la buterie? Elle est là-bas, la moto là. La moto noire avec les deux gars là. Tu penses à la moto noire? C'est des pétains. Pourquoi j'étais pas au parking central? Oh, on est pas grillé, des frères. J'ai l'argent dans mon sac. Oh, j'avais plaisir ça. Faut passer un maudit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner 1000$. Vous allez lâcher un otage. C'est bon, ça vous va? Oui. Ça vous va, Audi? Oui, ça me va, ouais. Ça lui va. Vas-y, Zeval, récupère l'argent, Zeval. Pose l'argent, madame. T'as 5 secondes. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Ah oui, carrément, il y a un sac pour 1000$. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Merci. Madame, 1000$, c'est 2 x 500. En billet, pas armé, tu poses des kishtas qui touchent le ciel, hein, c'est tranquille. Vous avez dit quoi? J'ai rien compris. Non, rien, si t'as besoin d'aide, tu me dis. Tu le sac. Hein? Mais non. Pose. Ah, la quiche. Oh, la kishta. Les gars, frère, vérifie qu'il n'y a pas de puce, qu'il n'y a pas d'encre, tu sais, de couleur bizarre qui explose et tout. Oui, attends, vérifie. Regarde bien, je lui laisse. Je confie les billets. Ça a quel goût, ça a quelle odeur? C'est salé. Salé. Ça me paraît honnête. Ok. Non, c'est bon, ça me paraît correct, y'a pas de pisse ou quoi? Non. C'est bon? Non, mais monsieur. Ok, parfait. Non, bah, non, du coup, vas-y, Zeval, ok, c'est bon pour un otage, vas-y. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vous avez de la chance, c'est des vrais billets, hein? Le Zeval pour le Haïm pour l'otage. Avance! Allez, venez, monsieur. Allez, venez. Je vous donne encore 1000$ et vous la quiche. Le dernier? Dis la quiche, madame. Dis bon, ouais, on fait comme ça. Pose la quiche. Je pose ça par terre. On va reprocéder à quelques tests quand même de vérification au niveau du billet. Je vais faire un test spécial au billet. Vous pouvez nous faire confiance quand même, hein? Madame, recule. Non. Confiance. La dernière fois, j'ai fait confiance à la police, je me suis trouvé au rap, donc. D'accord, t'es bon, vas-y, Zeval. Allez, Zeval. Attends, je. Vas-y. Quel merci. Madame, c'est sucré par rapport à ceux d'avant. Ah, si, parce qu'il y avait un peu de sucre au fond de mon sac. Madame, attends, ça. Ah bon? D'accord. Ouais. Attends. Vérifie bien qu'il n'y a pas d'encre bizarre ou quoi. Non. Ok. Non. Du maquillage, sans doute, s'il y a des trucs chelous. Ok. Ah, bizarre. Ouais. Ok. C'est bon, c'est pas bon. Je vais distribuer aux otages. Ouais. Ah bah merde, l'autre est parti. Il est con. C'est dommage. Qui est parti? Ah bah oui, bah il donnera son collègue. C'est pas grave, il donnera son collègue. Oui, c'est mon pote. D'accord, je te passe 2000$, d'accord? Tu donneras 1000 à ton collègue. C'est bon, je lui donne 1000. Radio, on s'apprête à quitter la bijouterie en direction du pont pour sauter. Vas-y, Ademir. Allez, c'est parti. Les mêmes places que d'habitude. La ceinture, madame et monsieur. Apparaît au décollage. C'est parti. Je vais faire l'audio sur les gars, parce que je sais qu'ils vont nous foutre dedans et tout au niveau. Vas-y. C'était fluide la montée. La montée était fluide pour une fois. T'as vu, y a pas eu de place. C'était honnête un peu. Y'a pas des gens qui changent de place au dernier moment, tu vois? Ouais. C'est vrai. Là, le mecs but, le but c'est pas de les fuir, hein. Je vais vraiment rouler doucement. Ouais. Ok, concentration maximum dready, c'est parti! Et let's go! Tout à droite, hein. Ouais, je me garer à droite. Ah, c'est bon, de toute façon, on voit d'ici sur le GPS où on va. Ils ont quand même percuté, ils sont forts, hein. Attention, par contre, on peut se coller. On a sauté, on arrive. Ouais, je vous vois. Vers la droite, hein. Collé à l'aéroport. Mais là, il y a un flic qui monte dans vos dossiers.
Ah, vers la droite, ok, la droite. Où je veux pas. Mais t'es pas là-bas. Côté aéroport. Allez, tu gères. Merci, le bon. Attends, je m'attaque pour récupérer un. Vas-y. Je t'ai persuadé qu'ils étaient à gauche. Après, il y a le T peut-être à récupérer. Qui encore a besoin d'un jet ski? Moi je nage, je vais faire des jet skis. Prends, je le prends, je le prends. Vas-y, dépose-moi, parfait, bien vu. Ok les gars, du coup, c'est faut aller vers la gauche, ok? Faut aller vers la gauche. L'hélicoptère là, il donne les calls. Vous avez quelle couleur, les gars? Vert. Oh, couleur blanche, je fais le rouge. Je vais vers la droite. Les gars, vous voulez qu'on prenne un raccourci ou on va direction Fête Foraine pour faire tout le canal? Je pense que c'est mieux Fête Foraine, canal. Hein. Vas-y, go, à droite alors. Peu fou. Excusez-moi, j'ai pas entendu, non, on va faire Fête Foraine. Ouais, du coup, tu prends vers la droite. Et après le canal, il sort de les rendre fous, quoi. Parfait, vas-y. Comme ça, ils prendront leur bateau Marina, tu vois, et tout. Enfin, leur jet ski Marina. Ok, vas-y, parfait. Bon gosse, Tobias, là il a réussi le parachute, ça tuck. Femme, je l'ai lâché au couteau. Les non-radio, les gars, les non-radio, faites attention. Wow, bon, bonjour. Ça peut être dangereux. T'inquiète pas, Kefta, moulet de Kefta, t'inquiète, incroyable. Gars, les gars, un peu de sérieux, s'il vous plaît, là, c'est la rigolette, c'est terminé. Ah, voilà, ils sont devant moi, ils sont 3, 4 jet ski pour nous. Un peu là. Salut! Ça va ou quoi? Et Allah Drari, c'est pas le moment de flancher. Tobias, on compte sur toi, c'est toi qui as des bijoux, frère. C'est vrai, on peut être chef. Par contre, parce qu'on veut parler de ouf, là, parce qu'on allait plus vite que la police, non? Ouais, non, t'inquiète pas. Regarde, nous, on va arriver, on aura des motos, ils seront toujours en jet ski. Ouais, mais imagine, il y en a qui prend la moto, t'es arrivé au premier, tu vois, bah. Ouais, moi, je suis en premier, là. Il y a un flic derrière toi, avant moi. Suivez-moi les gars, c'est à droite, hein. Prenez pas à gauche. Hein. Ouais, ça marche. Bien vu. De toute façon, vous avez le repère, non? Je l'ai pas, je me suis. Ok, faites gaffe dans le canal, hein, pour les virages. Dites-moi quand tu peux le faire 5 km. Je sais pas, j'ai pas mis de repère, Loukou, mais je te dirai quand je suis pas très loin. Salut, ça va ou quoi, mon pote? Ouais, des champignons. Et des petits tons. Attention. On arrive dans pas très longtemps. Enfin, j'arrive en premier du coup, le coup. Les méchants s'arrêtent. Ouais, il y a des voitures, je sais pas ce qu'il fout ici. Du coup, on arrive. Ah là, il y a des voitures mises en route, les mecs. Ok, let's go. Je vais descendre d'un moteur. On est sur les autres, c'est bon? Ils ont pris nos buffs. Les gars, vous êtes où, Hamid et Luka? C'est derrière moi. Les flics, ils ont pris les motos. Il y en a qu'un qui a pris la moto. Il y en a qu'un qui a pris la moto? Ah ouais? Ok. Il y a quelqu'un qui a pas de moto? Kefta? Oh, je suis mort, c'est fini. Ils t'ont attrapé? Ah ouais, ils sont sûrement, incroyable. Faites demi-tour, au pire. Je cours là. Demi-tour. Ok, ils ont deux motos, ouais. Attends, braquez le flic en moto, arrêtez-vous. Autour de lui. Oups. Arrête-toi. Je sais pas si c'est un braque. Arrête-toi. C'est pas possible, wesh. C'est parti, ça me braque. Bah frère, pourquoi tu roules? Kefta, on arrive, t'es où? Kefta? À gauche. Où ça? Oh putain. On arrive, on est derrière. Il s'est braqué. Ils sont deux. Ah ouais, c'est braqué, merde.
Ouh, ouh, ils l'ont déjà menotté. Oh putain, t'as un bot, hein. Ah ouais, ils l'ont menotté et tout. Derrière, il est avec nous ou pas, lui, là, derrière en moto? Est-ce celui qui nous fait en moto, la vérité, on peut le prendre, lui. Oh, c'est bon, c'est bon. Vas-y, arrête, 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 arrête. On filme. Voilà, j'ai envie de lui. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai envie de lui mettre une balle, lui. On peut passer par là? Non? Non, non, venez, venez, venez. Vas-y. Le mec, il dit radio, on braque, il continue à rouler. Il est con ou quoi? Si vous voulez, on peut le choper à la sortie, non? On le met sur les côtés et bim. Non, non, ils sont plusieurs, ils ont un hélicoptère et tout, laisse tomber. Je crois qu'il est tout seul en moto. Non, mais regarde, en moto, il va juste dire coucou, il va partir. Coucou, il va partir, frère, deux de cuir. Au lieu d'aider ses collègues à sécuriser la zone, il prend une moto et... Mais moi je pensais que vous étiez derrière en fait, moi je pensais que tout le monde était derrière, tu vois. Elle est derrière en plus. Je vais lui dire... Attends, je vais lui dire un truc. Voilà, c'est lui. C'est ma tempère, il va te dire. Ouais, ils me zaffent les gens comme ça, là. Ils m'énervent. Donc il est tout seul, on est quatre. Mais en fait, regarde, il est là juste pour donner les calls, Hamid. Il est pas là, en fait, pour nous prendre en course poursuite. Donc dispersez-vous et c'est bon. Y a rien à faire, c'est tout. Il va rester à 400 mètres, il va donner les calls et puis c'est tout. C'est bon, moi je me suis séparé, je suis allé en bas. Il est fou derrière moi, il les voit plus. Ah oui, t'as tiré dessus, c'est normal. Normalement, c'est bon. Il a mangé trop lourd. Hélicoptère. Hélicoptère au niveau de la route, il vous suit. Ah ok, ah ouais. Faut qu'on se disperse. Ah ouais. Ok. Vas-y, moi je me sépare, venons, sépare. Vas-y. Restez pas sur la route, c'est trop cramé. Attends, je remonte. Il y a qu'une moto derrière moi, c'est encore le même, je crois. Bah ok, bah tu sais quoi, reviens par là où on est passé, ok. On lui fait un piège. Viens par les rails où on est passé, où on s'est dispersé, tu viens au niveau, à ce niveau-là. Là sur l'autoroute, ouais vas-y. Je t'envoie une pause, ok? Ouais vas-y, parfait, vas-y. Envoie là moi aussi, comme ça je vais faire aussi. Sur casino du coup, je tourne, préparer un endroit au box. Attends, mais t'es tout seul? Ouais, je suis tout seul. On s'est séparé. T'es tout seul avec lui? Hein? Non, je suis tout seul moi. Ah bah c'est bon, moi je pensais qu'il y avait un mec, s'il y a personne, on s'en fout, rien. Y'a que l'hélico. Non, y'a l'hélico et y'a un flic, quoi. Ok, ouais, mais si l'hélicoptère, regarde, tu rentres dans un tunnel, va dans les égouts, c'est réglé. Moi je pensais que t'avais un flic derrière toi. Y'en a. Mais je comprends rien. Je comprends rien. Tu me dis je suis tout seul et après tu me dis. Non, j'ai dit je suis tout seul. Il n'y a pas loco. Mais moi, il y a un flic et une moto. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Bah, viens là où je suis. Il est en quoi le flic? Il est en moto? Là, je suis dans les canaux là. Il est en moto le flic? Ouais, il est en moto. Ok, ça marche. Hamid, c'est toi? Ouais. Vas-y, reste de ce côté là. Reste toi ici. Ok, attends. Pour l'instant, je les ai mis une fuite. J'attends un peu. Je vous dis. Ah, il a laissé la moto dans une buisson, il va à 110 jours. Je me suis cassé dans le buisson, Nest. Ouais, j'ai vu. T'as bien, c'est bon pour toi ou bien t'as besoin de... Ah, pour l'instant, je suis bien là, je les ai fuis. Okay. Dans le sud, il venait te chercher qu'une voiture. Il prend une voiture à 110 jours. Ouais, moi j'ai encore les poignons au cul. Qui ça, toi, Lobo? Ouais. Sérieux, t'es où? Ça fait un quart d'heure que je suis en course pour se dire ce qu'il y a. Jure, mais t'es en course où ça, en mer? Ouais, là, je suis vers le port là. Vers le port. Tu es encore en jet ski? Lobo, appelle Alvaro, non? Il t'a dit qu'il allait te récupérer. Ouais, je l'ai essayé de gérer là. Ok. Bah, c'est bon, je suis bien là. T'es safe? Vous êtes où? Ouais, je suis safe. Ouais, bah, vas-y, go cuse. Devant véhicule de flic. Hein. On les laisse partir un peu. Mais en blues, mais c'est le flic qui s'est pas arrêté, qui a tout niqué. Parce qu'on appelle tout le pantou. Je suis mort, je viens d'aller vers le QG, il y a un flic qui s'est croisé, mais il était mort son véhicule. Je te demande ce qu'il y a. Y a des flics qui sont vers le QG? Regarde, envoie-moi une position, il va te chercher. Je suis vers le QG, il y a des flics, il y a une pylône. Mais c'est pas du tout. On a compris, Thomas. Ouais, t'inquiète, on a eu l'info. Okay. Non, parce que tu y es pas le coup, tu m'as dit quoi? Je sais pas où c'est le QG, envoie-moi la position dans 4, 6, 5, 7, 9. 4, 6, 5, 7, 9. Go les docks. Go au local des docks. Moi j'ai un hélicoptère de poil sur moi. Ah ouais, toi t'es toujours. T'as contacté Alvaro ou pas? Ouais, mais ça fait chaud. Sérieux? T'es quoi, je vais venir te récupérer. Donne-moi une pause. Il y a un flic qui vient de me voir au QG. Donne-moi une pause. C'est pas grave, j'ai rien. C'est pas grave. Non, donne-moi une pause. Marina. Marina, il y a du monde ou pas? J'ai plus de moto. Il y a un flic derrière moi, je suis à pied. Ah, il te suit? Ouais, je suis au niveau des docks, au niveau du QG. Il me suit là, je suis à pied. Au niveau des docks, au niveau du QG? Comment ça?
les Ok, Hamid, Hamid, les va aider Tobias, moi je vais aider Lobo. Ah, tout. T'es où Tobias? T'es où Je t'envoie un pause, il y a une meuf derrière moi. C'est bon, moi qui vais venir m'aider. Ouais. T'as dit quoi? Je suis allé au QG, ils m'ont vu, c'est pour ça. Ah, je suis pas rentré dans le QG, je suis allé dans la rue en face. T'as dit quoi Lobo? On va voir. Bon, pour moi, vous en faites pas. C'est bon? Ok. Viens juste au canot, Hamid, tu me verras, c'est bon. Lobo, te sacrifie pas, hombre. Envoie une pause, Tobias. Envoie, voilà, c'est bon. Tu peux pas courir, envoie une pause, Ned. Ok, juste dis-moi, t'es où exactement, vas-y. Quand tu vas au canot. Ouais. Quand tu vas, au QG. Ouais. T'as des canots, genre. Oui, ok. Tu vois le logo sur la carte du QG? Ouais. Bah, tu te mets juste en dessous au niveau de. C'est bon, pas de soucis. Vas-y, je serai là-bas. Là, je suis en train de courir. Par contre, j'ai pas à tenir longtemps. Vas-y, je suis canal, canal QG. Canal derrière le QG. Je t'entends. Tu me vois là, à ta droite? Là? Où ça, à droite? Là, en face de toi, ah, c'est Hamid, ok. C'est bon, vas-y, roule. C'est bon, là, tu nous vois en face. Ouais, tu nous vois. Y'a une flic là? Ouais, c'est une flic là. Ok. Ah, c'est... Vas-y, bougez. Bougez parce qu'ils arrivent, ils ramènent, du roule. Hamid, roule par respect s'il y a là les flics. Allez, QG doc. Vas-y, ça marche. Je sais pas où il est le QG, il est où. T'inquiète, Loukou, dès qu'on arrive, on t'envoie la pause. Anus, c'est où le QG doc? Là, on a récupéré les tenues de combinaison de plongée, frère. Ah. On n'est pas prêt pour la Pacifique, les gars, moi je vous le dis. Hein. Pourtant, le plan était simple. Voilà, le plan était simple. En fait, il y avait juste à resserrer, tu vois. En fait, quand on est en jet ski et qu'il y a les flics, soit on les encercle, soit ils sont derrière nous. Mais faut jamais qu'ils soient devant nous ou entre nous en mode chill, tu vois. Ça, c'est une erreur qu'on a fait, hein. Pas pour, mais c'est bon, il se met tous les payeurs. Sortuc. Merci en tout cas, Lobo. Pas de problème. Là, le truc, les gars, faut qu'on fasse un débrief, mais en fait, là, on a fait une erreur. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en jet ski, ou même quand on est en voiture, faut pas que les flics soient en mode chill, genre devant nous. Faut soit ils sont derrière nous, ok. Ou soit ils sont entre nous, mais genre on les encercle. Parce que là, en fait, les mecs, on est arrivés, ils sont montés sur nos BF. Normal. Enfin, le mec est monté sur notre BF. Parce qu'en fait, il y en avait soit un qui était trop devant, soit un qui était trop derrière. C'est ça, en fait. En fait, on aurait dû soit tous s'attendre pour qu'on arrive en même temps, tu vois. Ou soit, ouais, en fait, encercler les flics, de sorte qu'ils sentent une certaine pression. Mais là, les flics, c'était le Club Med. Ils étaient entre nous en mode chill et tout. Le mec, il débarque, il rentre sur la BF. Il démarque avec la BF. Normal. Wesh, il a trop cru, Zerma, on était ses potes. Il a cru que c'était une balade, Zerma. Tu lui tires dessus, il continue. Rien, je le braque, il dit radio, on braque, il continue à rouler, normal. Et c'est incroyable. Je sais pas comment ils ont fait le recrutement, mais. Tombe pas plus avec le masque, c'est bon, là, même. T'inquiète. Pour serrer les douanes. Eh, vas-y, Loukou, frère, raconte sa vie à la radio, lui aussi, frère. Parce qu'il ne me lâche pas. Tout le temps. Je l'écoute même plus. Frère, wesh. Faut être bref à la radio, faut pas raconter sa vie. Bah, ça va, il y a Kiftek qui se fait attraper. Ah, voilà, ça me dégoûte. Vas-y, sonne. Voilà, bon. Ok. Bye. Ouais, Loukou, t'as une arme, toi, surtout, ou pas? Il y avait une Beretta, mais il est vendu. Ah, tu l'as vendu. La prochaine fois, ce serait mieux que t'aies une arme ou quoi, tu vois. Oh, tu sais pourquoi? Parce que là, on a fait une erreur, comme je disais à mes collègues, tu vois. Genre, en gros, l'erreur, c'est que le flic, il est monté sur ABF normal. Genre, banal. Tu vois, genre, en fait, la prochaine fois, genre. Bah, après, t'avais pas d'arme, c'est pas ta faute du tout. Hein. Mais on a fait une faute. C'est qu'en fait, de 1, on est arrivé trop tôt, on s'est pas attendu. De deux, les flics, ils étaient entre chacun d'entre nous. Enfin, tu sais, ils étaient limite en balade entre potes avec nous, donc aucune pression. Si. Et troisièmement, bah ouais, le mec, il est monté banal sur la moto, il est parti, il a fait un tour. Normal, il a cru que c'était une location. On aurait dû attendre le quatrième lecteur. Ouais, bah moi, je pensais qu'il était derrière. Moi, je pensais qu'on était tous derrière. Aussi, le problème, il a vu des gens monter, il a pas regardé. Ouais. Ouais, c'est que même si on l'aurait attendu, dans tous les cas, en fait, l'autre, il est tout de suite parti sur la moto. Ouais, le mec il est monté banal, c'est jamais normal, c'est ma moto, je démarre avec. Après, c'est pas forcément sa faute, on lui a mis aucune pression aussi, tu vois. Mais il avait essayé de m'avoir une arme pour demain. Il avait essayé pour moi, on lui a fait un cadeau carrément. Si jamais vous avez besoin qu'il fasse autre chose que rien, il essaie de le faire aussi. Justement, la prochaine fois, justement, tu braqueras le flic, etc., tu vois, tu seras beaucoup plus actif que ça, tu vois. Parce que là, il a fait rien, mais il le fait bien, ça c'est vrai. Après, les gars, on apprend de ses erreurs, tu vois. Mais là, on était trop chill avec les flics. Hein. Vraiment, là, on était trop chill avec les flics, tu vois. C'est notre faute, tu vois. Ouais, Tony, voilà. Ça va, quoi. Ouais, ça va super. Dis-moi, t'es dispo, là? Là, ça va être compliqué, je pense, aujourd'hui. Ok. J'ai pas de cachet. Mais, tu sais, on peut faire ça quand? Quand je vais faire la soirée unicorn. C'est quand, la soirée unicorn? Dans le carré VIP, c'est mardi soir.
Mardi soir, on est quel jour? Ouais, dimanche. On est dimanche, demain c'est lundi. Ça te dérange, je peux essayer de faire ça demain, tu vois. Vas-y, essaye de faire ça demain, tu vois. Le plus vite possible. Ouais, s'il te plaît, ouais. Vas-y. Et j'ai vu, il y a beaucoup de ruptures de stock, hein. Carnoncier et tout ça, il n'y a plus presque. Ah ouais, il vous reste quoi du coup? Attends, je vais te dire, Tech9, il n'y a plus. Ok. Carnoncier, il n'y a plus, je crois qu'il y a des scorpions, tu vois, des. Ok. Genre des AK et tout, tu vois. Ok, vas-y, ça marche. Et tu connais un petit peu les tarifs ou pas? Je peux te dire ça, c'est dans les 90 000 les AK. 90, c'est quoi? C'est 90 hein? Ouais, 90. Vas-y, ok. C'est sûr ou c'est vert 90 C'est vert là, mais c'est juste à côté quoi. C'est okay. Pas moins de 10 000, pas plus de 10 000. Ok, ça marche. Vas-y, okay. Ça marche. Essaye d'organiser ça pour demain, s'il te plaît. Ok, tranquille, je vais essayer. Vas-y, tu gères, merci. Vas-y, salut. Ouais, le baron, ça va quoi? Il s'est passé quoi? À l'hôpital. Merde, il s'est passé quoi? Ah, les boyaux, c'est fou, c'était bête. Ah, les bâtards. Et t'as fait quoi? Il s'est passé quoi? Ah, une longue pause pour suite. Ah, après une flicka? Ouais. Ah, il fallait la faire avec moi, c'est pour ça. Ouais, mais le truc, c'est que quand ils ont des 4x4 et que c'est des tanks qu'ils ont, tu vois, c'est un peu compliqué là. Ah mais moi aussi hein, tu sais, on avait préparé les BF, tu sais il y a un flic qui est monté sur la BF banal avec nous, normal, en mode club med et tout, incroyable. J'ai failli mourir, tu sais, ils ont failli me payer, mais ils m'ont percuté, une c'est le nombre de combien de fois, tu vois. En tout cas ton gars il a assuré hein, Lobo, il a assuré. Gracias, écoute, ouais. Juste là il va me faire arrêter par les poyos, d'accord, et il te rappelle dans 15-20 minutes. Vas-y ça marche, vas-y bon courage. Vous êtes bourré la gueule, vous êtes sérieux? C'est un peu. Attends, on t'explique, chef, c'est pour fêter le fait qu'il n'y avait plus rien faire. Tiens. Voilà. Ça y est, wesh. Les gars, moi, je vais aller faire les courses. Je vais bouger, je vais aller faire les courses. Vas-y, Loukou, tu restes en place, ok? Tu restes disponible le temps de décuver, d'accord? Va faire ce que t'as à faire et on se tient en courant radio. Et t'auras juste à rester dans un véhicule et puis c'est tout. Ok, mais il va essayer de me fournir une lame entre temps. Vas-y, ça marche. Fais comme ça. Hop, les gars, avant de bouger, vous avez récupéré vos gilets, etc. dans le coffre ou pas? Ouais, moi c'est bon. Vous avez perso, vous avez carte? Ah non, j'ai pas ça, faut qu'on aille au QG. Ok. Vous avez perso ces cartes au QG? J'ai chez moi. Ok, allez chez Hamid. Vas-y. On s'y est au courant. Et Kefta, on le récupère ou comment on fait? Lui, il est mort, lui. Kefta, il reviendra radio une fois qu'il sera sorti. Ouais, il va prendre 20 minutes, je pense, 20 minutes, comme ça. Il y a la police 45 qui m'a cassé les cojones, il m'a appelé. Il veut quoi lui? Il m'a appelé parce qu'il m'a contrôlé avec les voitures. Tout à l'heure. Il veut dire qu'on m'a braqué, qu'on m'a pris les motos. C'est bien, voilà. Bah voilà, c'est bon. Mais tiens, qu'est-ce qu'ils viennent contrôler? C'est quoi? C'est qu'ils se prennent pour des tortues ninjas? Ils sont dans les canons quoi, ou quoi? Je sais pas, c'est quoi? Ils se mettent le sprinter. C'est un truc de ouf. Oh là, il me fait. Du coup, heureusement qu'il était là, sinon il pense qu'il aurait tout mis en fourrière. Ah oui, clairement, oui. Non, on serait arrivé, il n'y aurait plus rien. Tu vas pas trinquer avec moi le fait qu'il n'y ait plus rien. Non, je bois pas quand je travaille, tu vois. Ok. Après la flicasse, tu veux, on va trinquer. Oui, non. Ça va pour toi? Bueno. Vas-y. On sait tout, une amitié viens, comme viens. Ça. Viens, je te montre directement le plan, ça va être plus simple. C'est ton véhicule ça? Oui, c'est la choupette, il appelle. Incroyable. Klaxon, tu vas voir aussi, elle est sympa. La cucaracha. Ouais, pas mal. Comme il dit à Tobias, il veut sponsoriser votre groupe, toute votre voiture, elle klaxonne cucaracha. Ah, c'est pas gagné, ouais. Vous avez beaucoup de voitures? Oh oui. Mais c'est pas grave, il paye tout. On a beaucoup de voitures et pas beaucoup de goût. Hein. Bah c'est pas grave, moi non plus, regarde les couleurs, donc, bleu et rose. Ah ouais, ça évoque quoi ces couleurs d'ailleurs? Ça évoque, c'est une chiquita qui me l'a offerte et elle m'a dit, quoi, laisse les couleurs. C'est une fille. Toi, t'es gay ou t'aimes les femmes? Les deux, tout ça. T'es bi? Quoi, je suis gay, tu m'as demandé? Ouais. Elle a compris ce que je suis gang. C'est bon, tu m'as dit les deux, genre voilà, ouais, donc t'es bi. Non, 100% il aime les femmes, bon Dieu, ce que c'est beau une femme. Ok. Une femme c'est beau, il peut pas comprendre comment tu ne crois pas en Dieu. Une femme c'est beau. La femme. Ah, c'est beau. Non. Ah, c'est beau la femme. C'est beau, ok. C'est beau. T'as une femme beau. Toi? Oh, tu sais, République Dominicaine, voilà. On choisit. Y a quoi, tu vas pas me la faire celle-là. Genre, ouais, Dominicaine, c'est les plus belles femmes du monde, et je sais pas quoi. Genre, non, pas du tout. Non, les plus belles femmes du monde, elles sont partout. Oh, bah, plus au Maroc, j'ai l'impression. Moi, au Maroc, et hombre, y'allait te dire, femmes au Maroc. Voilà, on est d'accord. Oh là là, non, les femmes rebeux, là, c'est quelque chose. Elles font partie pour moi de la Trinité. Ah oui, carrément. Ah ouais, les rebeux, les portugaises et les polonaises. Ouais, voilà, échec et mat. Les portugaises et les polonaises. Ah, les polonaises, si. Ah ouais. Ah, toi, jamais vu? Non. T'as un prototype? T'as un échantillon? Je vais te montrer un yurt, quelque part. Ok, ça marche. Mais toi, t'es. Là, on est là pour le job. Voilà, c'est bon. T'es marié, t'es célibataire, t'es quoi? Mais là, on profite là. Je suis célibataire. Célibataire à vie ou genre. Ça dépend. TTC ou Artax? Bah, TTC du coup.
À TTC, c'est il est filé Marien You, mais au taxi, je pense qu'il lui trouve un stem pour ses mains. Ah, on est d'accord, ouais. Tiens, vous avez le sang chaud. Le sang chaud, c'est pour ça qu'il était dit République Dominicaine, on est mariés, mais. On met vite fait, quoi. Voilà, mariés, ouais. Vite fait. Quoi. Voilà, juste on prend le mât, on laisse le rier. Voilà, ça. Rien, Marien. Ouais. Marien, je suis marié. Okay, non, okay. Pas malien, attention, attention, je suis pas malien. Tu t'es déjà marié ou pas? Non, non, jamais. Et toi, tu es marié? Oui. C'est vrai, il est en ville, ça s'appelle comment? Non, non, il est pas en ville, il est pas en ville. Ah, tu viens ici pour le business et tout, ouais, c'est pour le business. C'est intelligent, c'est intelligent. Mais TTC, t'en as combien? TTC? TTC, si. Oh, wow, j'en ai pas, non. J'en ai pas tellement en vrai. Hein. Je regarde TTC, le stock, mais tu vois, dispo en stock, c'est pas énorme. Hein. Alors, regarde. Du coup. Ça, c'est là où il y a mon entrepôt ici. Du coup, alors, du coup. Tac, tac, tac. Donc, nous, en fait, on va arriver par là, ok? On va monter les escaliers, on va traverser, etc. Et en gros, toi, tu nous attendras en haut. Donc là, je te demande juste par nous où est-ce qu'on va passer, tu vois. Mais toi, tu seras garé en haut. Je peux te poser une question? Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses des Tunisiennes? Des Tunisiennes? Je ne parle pas des Marocaines. J'ai pas d'avis. Ouais, je donne sans opinion. Je pense. Ah, dans ce cas-là, ça change tout. Pas d'avis, Anis. Ton véhicule, tu le gareras exactement ici. MS? Ouais, je t'écoute, radio. Il y aura un plan parachute ou pas? Non, il n'y aura pas de plan parachute. Okay. C'est un plan express. Faudra que j'appelle mon arme. Ok, ça marche. Alors du coup, tu te gareras exactement comme ça, d'accord? Dans ce sens-là, ok? Si. Tu te mettras à l'arrière du véhicule. Si. Et comme ça, moi, je monte côté conducteur, et etc., etc. Ou soit tu restes dans le coffre, ou n'importe où, on s'en fout. Mais il faut que tu sois dans le véhicule. Ça marche? Bon, pas avec la choupette, quand même, parce que la choupette... Non, on va aller récupérer un véhicule. Mais note, s'il te plaît, sur ton GPS, le repère. La motivation, tout ça. Oui, si demain t'arrives pas, je crois que... Ouais, les gars, vous m'entendez? On est Comico, je passe Comico, t'es où? Je suis Comico. Vas-y, viens, je suis là avec le coup. J'ai pas compris ce qui s'est passé, frère. T'inquiète, on va débriefer, viens. Là, je suis là. On va débriefer, l'ami. Le coffre. Regarde, écoute, hein. On a fait une erreur. En vrai, on a fait une erreur. En fait, on n'est pas resté groupé. Moi, je pensais que t'étais derrière. Première erreur. Deuxième erreur, en fait, le truc, c'est soit les flics, ils sont derrière nous, ok? Et même s'ils sont entre nous, tu vois, faut qu'ils soient Zama, faut qu'on les encercle, faut pas qu'ils soient en mode chill, en mode ouais, tranquille, tu vois, genre. Ouais. On a pas mis cette plus pression. Troisième erreur, en fait, quand moi je suis monté sur la moto, le flic il est monté sans pression sur la moto, il nous a suivi. Après, c'est normal ça, Roya, qui monte sur la moto. Non, attends, c'est pas fini. Non, d'accord. Ok. Après, Roya, quand on s'est rendu compte que c'était le flic, je suis descendu, je l'ai braqué. Il dit, le mec annonce radio, on me braque, il continue à rouler. Ah, alors que t'es le braqué? Alors que j'ai braqué, ouais. Si. Donc on a fait une erreur de notre côté, on était trop chill avec trop laxiste avec la police et eux de leur et lui de moi je pense que on n'a pas assez vérifié qui était où, Roya. C'est ça, oui bien sûr, on est pas resté. Le problème c'est que moi en fait mon jet ski, Roya, il avançait pas. Oui mais Roya, c'est à toi d'annoncer aussi. C'est à toi de dire. Mais c'est vrai, mais ouais, je pensais pas qu'il y avait. Je pensais pas que entre vous et moi, il y avait un policier. Ouais, je sais. Mais si parce que moi je disais radio, il y a un flic derrière moi. Mais ouais, bref, c'est pas grave, on apprend nos erreurs, c'est pas grave, tu vois. Là, regarde, on va taper une flica. Je te passe le véhicule. Vas-y, tiens, amuse-toi. Gracias. C'est ce véhicule-là. Donc, tu te places exactement là où je t'ai montré. Et vous êtes là dans combien de temps? Tout m'a dit à peu près 10 minutes. Bah écoute, là, on va décoller, on prend les otages, on fait la flica, et peut-être 15 minutes, 15-20 minutes, un truc comme ça. Ouais, non. Ouais, si tu veux te faire une tenue, va au pire, hein, t'as le temps. Non, mais il y avait plutôt essayer d'avoir une arme plutôt. Là, maintenant, c'est mieux de faire une tenue et après tu prends ton arme, on s'en fout de l'arme en vérité. Ok, bon, il va faire la tenue, bon, gracias. Du coup, t'as pris combien là? 6 000 $. C'est tout? Et combien de temps de heps? Bah là, je viens juste de sortir depuis que je me suis fait attraper. Il va aller mettre de coco. 30 minutes, je crois, j'ai pris. 30 minutes, mais ouais, le problème, c'est que moi, j'étais derrière. Moi, j'ai fait une erreur de mon côté, c'est que j'ai pas dit, les gars, mon jet ski, il avance pas. Et de deux, mais c'est vrai. On n'était pas collés. On aurait dû t'attendre, ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, on était en mode chill, tu vois, on était pas en mode. Ouais. Sauf que, faut se dire que. Eux, ils les avaient vus, les bécanes avant. Tu vois, c'était signalé. Ça veut dire que ça a joué aussi. Ouais, de fou. Le mec qui avait vu les bécanes avant, il a dû les signaler à la radio. Ah, il y a des motos bizarres. Ah, à tous les coups, ils vont aller aux motos bizarres. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. C'est même dans la zone ici. Hein. Ouais, non, c'est là où on a fui, donc c'est pas grave. Ils ont pas vu le coup, je pense pas. Ah, j'espère pas. Mais bon. Vous avez tout ce qu'il faut, les gars? Ah, mais t'as plus d'armes du coup. Moi, j'ai plus d'armes, j'ai plus de parachute, Non, t'as plus d'armes et plus de gilet, pardon. Ok. Mais après, c'est pas grave, on se fait attraper, mais on apprend des erreurs. Faut plus faire ce genre d'erreurs. De fou. C'est ça le principal. Claquette chaussette, hein, Tobias. Ah oui? Pardon?
claquettes chaussettes. Hein. Ah, tu connais, claquettes chaussettes. Bien sûr que t'es fou, ça va plus vite. 24-7, bonjour. Bonjour, vous êtes disponible? Alors, petite lune, actuellement, non, mais je peux venir. Ah, ok, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, je suis là dans 5 minutes. D'accord, j'arrive. 24-7. Merci, c'est gentil. J'ai même trouvé une meuf. C'est bon, j'en ai marre. Sérieux, j'ai trouvé une meuf? Non, c'est bon, frère. Sérieux? Mon frère, c'est bon. Ça te gratte, ça c'est te gratte. Bon, mon frère. Ça me gratte. Ah oui merde, ouais, Star 3, c'est quoi ce klaxon? T'as entendu t'as vu ça? Il réveille toute la ville. Voilà, on dirait un chat frère qu'on étrangle, c'est quoi ça? Tiens, Le LSP dit. Pourquoi il y a quoi? Il y a quoi? Rien, c'est un coup de pression. Tiens. Le 911. Comme ça, il y a quoi? Kafta, c'est un coup de pression, regarde. Tu joues. Faut toujours faire des schémas avec toi, j'ai l'impression. Regarde, moi je sors de prison, je suis un homme changé, moi. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, monsieur. Je suis bonasse comme ça. God bless. Je peux vous aider? God bless. Comment ça? Ça veut dire que Dieu vous bénisse, mais ouais. Ah ouais, ouais, tranquille, croyant. Du coup, ouais, s'il te plaît, une petite réparation. Ah, pas de si, un petit lavage au calme. Code bless, ça veut pas dire à tes souhaits? Non, 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 c'est. Non, je dis quoi? Ça veut dire Dieu te bénisse. Oh, je suis bon, c'est bless you à tes souhaits. Que Dieu, non, que Dieu te bénisse. Ça va ou quoi, Alvaro? Te bénisse, grâce. Ouais, 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 là, ouais, là, on va taper une petite flic au calme. Non, 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 non. Je te jure, je te jure. Non, 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 la tête de la sainte moitié. Vas-y, vas-y. Je suis au bénis, je finis, je passe au quartier. Mon carte à moi, ça. T'es où, toi? T'es où, toi? Je viens de sortir du poste, là. Bah, vas-y, viens, viens, bénis, alors. Y arrive. Vas-y, vas-y. Tobias, Tobias, la meuf, bénis, attaque. Une meuf. Mais oui, une meuf, wesh. Et elle avec Kefta, Ok, j'arrive. Kefta, bouge, Kefta, en fait, l'objectif, c'est de trouver une meuf pour Tobias. Roya, t'as vraiment dit, il y a une meuf, attaque. Hey yo, madame, comment allez-vous? Hey yo, bien. Comment allez-vous? Bien, tranquille? Bonsoir. Tranquillement, madame. C'est quoi ton prénom? Effie. Bah moi, c'est Philou, moi aussi. C'est quoi ton prénom? Yeah, you crazy. Toi aussi, tu rigoles, on a un point commun. Dis-moi de vous interrompre, ça sera pour qui la facture? C'est pour moi, c'est pour moi. C'est monsieur. Attendez, excusez-moi, madame, excuse-moi. Fermez-la, s'il vous plaît. Ça fait mieux que je dois. Fermez-la. Merci. Ouais, madame, c'est bon. D'accord, monsieur. Monsieur, je vous cause. Oui? Ah, ouais, je suis. Venez avec moi là. Ouais, je suis un bad boy. Venez, dépêchez-vous. Ouais, je suis un bad boy. J'ai un bad boy. Tiens. Les deux fois. Tiens, qui voilà? Ne serait-ce pas l'ULSP? La police. Pourquoi il l'emmène d'ailleurs? Oui, je m'excuse. Pour l'histoire du car. Ah, le car. J'ai dit, excusez-moi, monsieur. Je sais que vous voulez draguer, mais faites attention. Alvaro, c'est quoi? Vas-y, dis ton mode. Viens, Zama, en mode. Viens. Allez, on y va. Je suis ton petit. C'est grave, voilà, c'est grave. Viens, s'il te plaît, Bibi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Si tu me mets des soutiens, je pourrais comprendre la moitié de ce que tu m'as dit. Viens, mon amour, viens. Qu'est-ce que ça, mon amour? Tiens, Alvaro, je vais tomber sous ton cerne. Tout ce qu'on a vécu ensemble, quand même, Alvaro. C'est vrai. Je sais pas comment ça se fait que tu es encore en vie. Un coup de foudre, un coup de couteau, beaucoup de coups. Hein. Bien sûr, après un coup dans la tête, tu verras. Bref, donc. Comment s'est passé ta flicade, du coup? Écoute, enfin, avant que je raconte ma flicade de merde là, d'accord. Je vais te raconter déjà ce que mon hermano m'a dit. Vas-y. Il dit qu'il a pris l'hélico sur lui, il a pris deux disques de pollo sur lui. Tu entends? Ouais, ouais. Le truc, c'est qu'il les a vraiment bien occupé. Il sort. Bah donc, oui et non, parce que j'étais chaud pour aller le sauver, tu vois. Entre temps, il y a Kefta, lui, s'est fait attraper. Bon. Mais ouais, il nous a aidé. Hein. D'accord. En bref, tu m'avais dit que tu avais des bonnes nouvelles. Bon, tu as pu voir, hein. Tu m'as demandé un service et puis te le rendre aussi. Ouais. Comme tu peux voir, on peut s'en aider. J'ai trouvé deux personnes potentielles qui peuvent avoir des grosses armes. Alors, style AK ou sinon Tech-9. Mais genre. Mais tout ça, il y a déjà tout ça. Moi, il te parlait des armes, je sais pas, s'il y a quelque chose de nouveau, tu vois. Non, c'est mort. Tout le reste, c'est mort. Tout ce qui est Beretta, tout ça, tous les petits calibres, en fait, ils sont en pénurie. C'est la merde. C'est ce qu'ils me disent partout, justement. Ouais, donc Tech-9, écoute, Tech-9, AK. Peut-être AKU, c'est pas sûr, je verrai avec eux demain, tu vois, normalement c'est bon. Pour les tarifs, ça varie entre, pour une AK c'est entre 90 et 100. Pour les Tech-9, je sais pas encore, je verrai avec le gars ou les gars demain. Ok. J'ai pas réussi à les avoir ce soir parce qu'ils étaient trop occupés.
Okay. Alors normalement demain soir j'ai rendez-vous avec eux, sinon au plus tard mardi soir. Ok. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Bah c'est plutôt pas mal non. Je t'ai trouvé des contacts qui ont tiré des armes et je t'ai ramené les prix. Mais tout ce que tu me dis déjà, je le connais déjà et c'est les mêmes tarifs. Écoute, Alvaro, tu me dis, essaye de me trouver des armes. Moi, tu m'as pas dit que tu savais déjà combien ça coûtait. Tu m'as dit, trouve-moi des armes, je te trouve des contacts, c'est tout. Après, vois avec eux. D'accord. Je m'avais pensé que tu avais peut-être quelque chose de plus que tu pouvais me faire plaisir. T'es magicien ou quoi ? Si. Je suis youtubeur, moi. Oui, bien sûr. C'est le youtubeur, bien sûr. Micro-là pas. Ah ouais, mais après, moi, de mon côté, j'ai 2-3 Beretta qui traînent, mais tu vois, au rythme avec lequel on se fait attraper. Et c'est un peu compliqué, je les garde de côté, tu vois. Ok. Dis-moi, tu sais, j'ai des sortes de. Soit cocktail Molotov, soit des grenades là qui font de la fumée, là. Comment ça s'appelle ? Des lacrymos. Et des lacrymos, c'est. Ouais. Ils servent des Molotov, lacrymos ou des grosses armes à mitraillettes, fusées à pompes, tout ça. Quoi, tu prépares la guerre du Vietnam ou comment ça se passe ? Une attaque de la boxe se prépare bientôt. Ah ouais, ok. Vas-y, donc cocktail Molotov ou gaz lacrymos, c'est ça ? C'est ou des grosses armes, mais pas comme les autres, tu vois, d'accord ? Des grosses armes, genre des mitrailleuses, quoi. Si. Ah ouais, mais frère, c'est même plus l'attaque de la bombe là que tu vas faire, regarde. Mais Herman, il faut bien mettre nos chances d'un côté, parce que, on va dire que, à part les personnes qui sont sur place pour le labo, il y aura aussi, c'est plutôt des poyos qui vont arriver par la suite. Ouais, je vois. Ok, donc il y aura d'abord les gangsters, et après il y a l'armée qui arrive après. Okay. Et les gilets, t'as ce qu'il faut ? C'est vrai que les gilets, j'ai aussi des contacts pour ça. Ok, t'as des contacts ? Moi j'ai des boulots. Ok, bah ça va. Donc juste les armes. Pardon. Vas-y, ça marche, on fait comme ça. Vraiment, si tu arrives à trouver des cocktails ou lacrymo, c'est vraiment ce que je recherche. Vas-y, t'en as besoin pour combien ? Pour la quantité et pour quand ? Une dizaine, hein. Et pour quand ? Maximum. Je pense le plus rapidement possible. Après, je vais pas dire demain ou après-demain, mais si dans la semaine, c'est bon, tu vois. La semaine qui vient. Vas-y. Et moi, si je t'en prépare quelques-uns faits maison, des cocktails Molotov, c'est bon, non ? Bah après, si tant qu'il est lancé, ça explose, bien sûr. Ouais. Vas-y. Ça m'irait. Vas-y, ça marche. Ok. Vas-y, on fait comme ça. Qu'est-ce qu'ils font ? D'accord. Je sais pas. Ah. Ils sont en train de se battre. Ouais, c'est normal. C'est des animaux. Hein. Toi, ça a été ta soirée ? Ouais, ça a été. Bah là, j'ai tapé une bijouterie, du coup, c'est bien, plutôt bien passé. Il y a que Kafta qui s'est fait attraper, tu vois, mais vas-y, laisse tomber. Mais dis-moi, ils étaient tous en 4x4, toi aussi ? Non, en fait, il y avait 3 voitures, hélicoptère. Après 4 jet ski, hélicoptère, et après voiture encore, et bref, c'était y a la totale quoi. Oui, comment ça ? Tu fais quoi là ? Pourquoi tu claques dedans ? Qui ça ? Toi ? Non, c'est pas moi. Ah, c'est en face. C'est en face. Et tellement qu'ils claquent fort dedans, les autres ont esquissé, t'as vu ? C'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'ils font là ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est la guerre de... qui est la plus grosse. C'est des hein. Sauvages, voilà, c'est des sauvages. Et c'est bon, les enfants, pauvres, vous avez fini ? Et me demander si on va quelqu'un à l'autre. Tu veux le repas d'aller ? Ouais, bah faut croire. Hein. Moi, je suis prêt, je suis sur place. Vous m'entendez ? Ok, le coup, c'est bien reçu, ouais. Okay, nous, on va bientôt décoller. Mais pour le blanchiment ? Ouais. Fait combien de pourcents maintenant ? Toujours 55. Ah, tu nous avais mis 56. Est-ce que tu fais 43 cette fois-ci ? Genre, que tu récupères 57 ? Si. Ah, je sais pas, on verra. À prendre, ça dépend. Ça dépend de la somme, ouais. Tu fais le mec qui a besoin d'argent, c'est comment ? Non, pas du tout, je m'en vais les secs. Est-ce que toi aussi tu ouvrais des entreprises à distance et tu fais te transmettre des trucs comme ça ? Les entreprises offshore, les entreprises écran et tout ? C'est comme ils disent. Écran solaire et tout, indice 50. Ouais, t'inquiète. Bah, vas-y Alvaro, on va bouger, on s'y est encore pour ce qu'on s'était dit. Si, et dans la semaine, d'accord ? Ouais, t'inquiète. C'est pas okay. Qu'est-ce qu'il a Hamid encore ? Tu es qui ? Oh non ! Ah, oh, t'es allé ouf! Pourquoi vous êtes battu? J'ai un hermano à moi, sa mère, il a un petit problème, moi, je suis devant le Beniz. Si tu peux venir, pour favor, devant le Beniz. T'es en place toi? Oh gosse, vas-y, envoie une photo. Comment est-ce stylé? Tout nous ou habiller la photo? Je sais pas. Non, pas la photo de toi, la photo de là où t'es, genre, pour voir si c'est le bon endroit. Si, je suis en bas de l'escalier, t'inquiète pas, Chiquito. J'espère que je te plaisais, dommage, je te l'envoie une photo. Vas-y, envoie une photo de toi tout nu. Ah voilà, ça y est, bien. Pour voir ce qu'il y a en bas, c'est après l'Aflika. Putain, ça rime. Franchement, le coup, pas mal, hein, en vrai. Franchement, le coup, ouais, merci beaucoup, tu nous sauves un peu. Ah ouais, j'aime. Tu sais, Tobias, tu sais même pas pourquoi je dis merci beaucoup à le coup. Mais il me dit merci quand même. Il est incroyable, il est vraiment incroyable, hein. Non, merci beaucoup. Quelqu'un, toi, le cœur sur la main, c'est bien. Bah, de rien, écoute, Tobias, mais vraiment de rien. Ah, mais vous aussi, les gars, vous savez qu'on va faire une fleka juste après ? Vous vous tapez ? Enfin, vous faites exprès ou. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Alors, ça ? Qu'est-ce que t'as ? Alors, toi, mais ferme-la, toi. Comment ça a l'air moi ? Moi j'ai vu il y avait une bagarre, je me suis foutu dedans. Merci Tobias pour les premiers soins. Y'a pas de soucis, vite. Je vais mettre l'essence vite fait. C'est quoi le plan là Déco ? Le plan, c'est le plan Arcadius. Tu sais, on court, on nous attend, etc. Ah, mais faute de voiture alors ?
Ouais, il y a Loco, il est prêt, je crois. Mais t'inquiète pas, Loco est déjà prêt, regarde. Ça va, tu croises Manu en chaud, quoi, pendant que vous êtes en train de faire des trucs bizarres, quoi. Mais pourquoi tu fais l'ancien? C'est Loco qui fait tout. Ah bon, c'est Loukoum. Ok, il connaît même pas de des gens. Oh là, c'est grave. Comment ça, Loukoum, il fait tout? Comment ça, Loukoum? Attends, mais comment ça, Loukoum, il fait tout? Loukoum, c'est lui, il est parti prendre la voiture, non? Mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi? C'est moi qui l'ai montré depuis le début et tout. T'es fou, quoi? Eh les gars, je suis beau gosse là ou pas? Vraiment, vraiment. Là, je peux gérer n'importe quoi. Ouais, t'as cru que t'étais un bon élu ou quoi? Pourquoi c'est quoi le rapport avec Bonnelli? Ouais, on dirait un italien, wesh. Ah, parce que j'ai un chapeau, super ouais, raccourci. Ouais, ouais, bah oui, c'est grave à raccourci. Super, ouais. Mario Kart. Il a une chemise italienne, il a des chaussures italiennes. Tu connais la main par on dirait un Bonnelli, bah. Tu connais la main par cancel? Le raccourci. Excusez-moi, on a besoin d'un otage. Non, bah non, tu sais, Roy, on y va comme ça, normal. Hein, pas non, besoin. Mais lui là-bas direct. Lève. Non. Regarde. Le pauvre. Là, tu veux des chips? Si vous voulez, oui. Attends, on a tout ce qu'il faut, les gars, perso, explique à tout ça. Et ouais, c'est bon, c'est moi, mec. T'es cool. Nous approchons de la zone la plus dangereuse de la ville, c'est-à-dire le parking central. Oh, deux personnes là. Hein. Non, aucune seule. Oh, bien sûr. Messieurs, on aurait une question à vous poser, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Est-ce que vous aurez l'amabilité, s'il vous plaît, de monter dans le véhicule tout noir à fait. En me gênant vos moyens de communication, voilà. Votre téléphone, ainsi que votre une personne, radio. Une personne, voilà. Une personne, et tu montes dans le coffre. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est parfait, allez, parfait, parfait. C'est quoi vos prénoms, les otages? C'est Fabrice. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Fabrice comment? Bissap. Bissap, super. Et l'autre question? Oui, l'autre. Jason. Jason comment? Watson. Salut Jason, vous venez d'où les gars? Sénégal. Bah moi je travaille au 24/7. Ah ok, et Fabrice tu viens du Sénégal? Ouais. Ok, et tu fais quoi dans la vie Fabrice? Je suis vigneron. Vigneron. Ça se bourre la gueule ou pas? Non, je suis... Entre nous, ça se bourre la gueule un peu quand même. Un peu. Ah voilà. Un tout petit peu. Bon bah ça va alors, ouais, d'un on s'est bourré la gueule avec... je m'en rappelle plus c'était qui là, mais ouais, faut être du bon travail hein. On est d'accord, c'est dans le nord non? Ouais. Ah ouais. Ça tue. Ça et flingue. Voilà messieurs, n'oubliez pas de mettre un 5 étoiles au Uber. Évidemment, tu descends toujours quand je ne m'arrête pas. Ça bouge pas. Dans la box, s'il vous plaît, messieurs. Tobias, allez, ça bouge pas. Hein. Le véhicule est toujours. Allez, on avance. Tobias, viens, get. Il y a ton oncle devant la banque. Voilà, attends. Viens. Y a mon oncle, comment ça viens, va Viens. J'arrive, je cours. Ah, bâtard. Je sais pas lui. Ah oui. Mais non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je pensais. Ouais, je. Vas-y, tranquille. C'est pas mon nom, toi, ah ouais, ah ouais, c'est comme ça. Ça arrête quand même. T'arrives, je fais la perceuse. À ta gauche. Ah ouais, ça arrête quand même. Attention, à droite. Ça va bien en vrai. T'as vu, elle est bien, c'est ouais, la mienne. Ouais, t'as un peu copié, mais tranquille, Malish. Ressemble pas à la tienne, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Si, grave. Mais y'a rien à voir. Bah, le haut, déjà, c'est le mien. Les gants, c'est les miens. Déjà, non, les gants, déjà de base, tu sais, les... c'est clairement non, les mêmes. Pas... Non, c'est pas c'est les la même couleur. T'as pas de même bonnet, c'est la même couleur. T'as pris, ouais. Ouais, t'as pris, tu sais, les gants, tu sais, quand on était petit, on jouait avec la neige, t'as... donc ça infiltre directement dedans. Ouais. Fou. Les vieux gants qui sont incroyable. Avec des trous. Ils sont là juste pour dire t'as des gants, ouais. Voilà. Ça, ils servent absolument à rien, ces gants-là. Ils sont un. ouais, ils vont arriver, t'inquiète. Contre ce rôle, t'as bien les bijouteries, ils sont pleins, ça. Ah ouais. Taxi vraiment sauvage, hein. C'est lui, il a klaxonné la barre. Ouais, il a fait bouilleux, barrez-vous, wesh. Ah, voilà. Ils sont beaucoup en 4x4, hein. Mais 4x4, ça suit pas. 4x, je pense, parce qu'ils anticipent le fait qu'on fasse de l'off-road, un truc comme ça, je sais pas. Franchement, pour moi, c'est un mauvais choix de prendre des 4x4, hein. Ils sont toujours en 4x4, rien. Sauf si c'est pour Pete. Et ça, le 4x4, c'est stylé quand tu traînes en ville, tu roules et tout, ça fait stylé. Ouais, et pour Pete aussi, parce qu'apparemment, il pite beaucoup, hein. Ah ouais? C'est vrai que sur le coup, tu roulais tranquillement, on s'est quand même fait taper. Soi-disant sans faire exprès, mais vas-y frère, quand tu prends un 4x4, t'as vu tout à l'heure? Attends, tu te rappelles tout à l'heure quand je me suis garé? Oui, sur le pont, sur le pont. Je me suis garé normal, tranquille. Ils ont réussi à nous percuter. T'as dit mot pour mot, je vais rouler tranquille pour voir s'ils vont me péter. Eh ben on s'est fait péter. Salut, comment allez-vous? J'arrive pour un taxi pour les otages, vous me le dites, tu peux vous pouvez avancer s'il vous plaît, monsieur. Tu veux que je te tire dessus? Attendez, calmez-vous, monsieur. Alors du coup, on a deux otages. D'accord. On aurait 1000$ par otage.
On aimerait aussi deux sacs de course parce qu'ils ont vraiment vraiment la dalle. Attendez, un sac de course. Deux sacs de course. Et qu'est-ce que vous voulez dans un sac de course? À manger par exemple, à boire, à manger. Ok, bah écoutez, je vais vous ramener deux sacs de course, 2000$. Est-ce que je peux voir les otages? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça aide Delta à ramener les otages. J'ai une question, comment ça se fait que vous traînez tous en SUV? C'est la mode en ce moment? Bah, c'est les véhicules les plus performants qu'on a, donc... Ah bon? Oh, c'est pas les cruiseurs, hein? C'est haut de gamme les SUV, ça, partout, ah, c'est okay. Puissant. Ok. Bah attendez, on va chercher la rançon. Monsieur, j'espère que c'est pas vous qui allez conduire, parce que c'est interdit de conduire en claquette. Non, c'est pas lui. Non, parce que lui, lui-même pieds nus, même avec les dernières max, il est pas ouf non plus en conduite. Oui, voilà. Ça sera pas lui. Lui, c'est le spécialiste des coffres. C'est un magicien. C'est le meilleur de la ville, cherchez pas. Ah bon? Ah oui. Ouais. Si un jour vous oubliez vos clés ou quoi à la maison, vous l'appelez. Tu m'appelles? Ah, c'est une serrurier, c'est ça? C'est le Zeval. Zeval. Le Zeval. Le Zeval. Ok. Tout à fait. Je pense que là, vous allez mieux comprendre quand je mets ça. Ça va? Ça va? Si vous connaissez mon nom, c'est que je vous connais. Ah, pas sûr. Pas sûr. Ah bah non. Ah, c'est, ça, bah ça fonctionne pas comme ça. Hein. Ah non, ça marche pas comme ça. Moi, je connais Justin, mais Justin ne me connaît pas. Ça c'est sûr. Ah. Mais je suis pas une star. Oh, quand même, ça va. Moi aussi. Les Speedy, quand même. Vous êtes connus, hein, les affiches en ville, bah, etc. Oui. Quand même. Oui, c'est ça. Ah, oui. Bah, ok, d'accord. Et vous, c'est qui vous? C'est le sergent-chef. Ah, sergent-chef, ouais. Il est gentil, lui, c'est un bon, lui. Une fois, il m'a arrêté. Sérieux? C'est du pas coup, ça, vous avez connu des services de police? Oui, favorablement. Oui, favorablement. Favorablement, d'accord. Évidemment. Ouais. D'accord. Regardez, si je fais ça, vous êtes... Attendez, regardez. Si il fait ce geste-là, est-ce que vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez ou pas? Non. Ah, dommage. Non ah, dommage. Si, par contre, quoi, pourquoi vous braquez une flicka là? Parce que juste avant, on a fait une bijouterie, donc on voulait changer un petit peu. Ah! Oui, d'accord. On va aller chercher un rançon, on va couper court aussi. Ouais, on prend plus de pas travailler normalement. Je vois que madame est tombée sous notre charme, mais pas de soucis. Hein. Du tout, non. Toi, ça se voit que t'aimes les bad boys, ça se voit que t'es en train de mouiller, c'est ça? Ah. J'aime trop dire ça. Mais c'est mesquin. C'est la choc à vie, là. Je suis oublié. Starfallah, il lui coupe les cheveux. Ouais, t'es devenu halak à la flika ou quoi? Pourquoi? Et à ton tour aussi. Oh mais non, pas lui! Oh non! Pas lui c'est trop tard. Une fois que c'est lancé, il y a les contours qui vont être faits. Oh merde, lui! C'est pas grave. Merci, c'est oui, gentil. Je suis désolé, Fabrice, mais bon, c'est le risque du métier. Hein. Otage un jour, chauve un autre. J'ai une unité qui est partie chercher des sacs de course. Ouais, j'ai la moitié de la rançon. Est-ce que je peux déjà négocier un otage? Oh, on attend les courses parce qu'ils ont faim aussi. On va tous manger ensemble et puis ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Oui. Ok. Ouais, on mange ensemble. Et mettre votre table avec la chaise, hein. Exactement. Enfin, vous voulez nous joindre ou vous joindre nous? Non, ça ira, c'est rare. Vous avez mangé quoi aujourd'hui, pas? T'as mangé quoi? T'as mangé quoi? Petit hachis. Petit hachis? Parmentier, j'imagine. Hachis. Ah oui. Ok. Et vous, madame? J'ai mangé des carottes. Des bébés carottes ou des carottes? Des bébés carottes. Carottes râpées ou? C'est vous qui avez préparé à manger ou bien c'est votre mari? Oh, c'est moi. Ah, vous êtes une vraie femme, ça fait plaisir. Une vraie femme? Non, parce qu'il y en a marre en 2021, c'est bon, les femmes qui commandent et tout, ça va, c'est bon. Ah bon? Uber Eats, c'est bon. Ah, qui commande, oui. Mais sinon, mon mari. Pas qui commande l'homme, qui commande Uber Eats. Non, qui commande l'homme, qui commande à manger, qui commande quoi. Ah ouais, carrément! Moi, je pense à Uber Eats. Ma chérie, mange quoi ce soir? Et tu sais, le mari, il mange, il dit quoi à sa femme? Franchement, c'est super bon. Comment ça, c'est super bon, wesh? Super beau, t'as pris un Uber Eats, regarde, t'as même pas pris la peine de faire à manger. T'as mangé un Subway, ferme ta gueule, qu'est-ce qu'il me parle, lui? Putain, j'ai compris un mot sur deux. Ah. Non, mais... Sergent chef, vous avez jamais votre gros gilet, c'est bizarre, hein. J'ai des plaques en dessous. Ouais, je sais que vous avez des plaques, mais pourquoi vous mettez pas... Ça fait plus stylé, tu vois. Un jeu va se prendre une balle, hein. Ah. Non, mais s'il y a une plaque, c'est que y a pas besoin. Oui. Après, elles sont plus fines, normalement, les plaques. Mais oui, elles sont plus fines. Oui, elles sont plus fines, mais bon. Pas totalement protégées. Ça devrait le faire pour du 9mm. J'avoue. Et toi, pourquoi tu mets un gilet? C'est pour donner l'allure d'avoir des seins, amant, ou... J'ai des seins, d'accord. Oh, on s'en va, du coup, c'est pas ça le problème, ce que vous avez dans les mains, vous voyez. Quoi, ce qu'on a dans les mains? Du talent? Rien dans les mains. On a juste du talent, c'est tout ce qu'on a. Des armes, vous voyez. Non, c'est d'accessoires, ça. Et pourquoi vous mettez un gilet pare-balles? Ah non, on fait de l'airsoft, nous, après. Parce que là, on tape une flicka, en fait, la flicka, du coup, ça... Normalement, c'est tout se passer à la... La bijouterie, la flicka... La course-poursuite dure normalement maximum 35-36 secondes si vraiment je suis fatigué, tu vois. 30 secondes? Ouais. Et du coup, juste après, boum, airsoft avec les sabres, quoi. D'accord. Non.
Ok. Et pourquoi vous travaillez pas? Ben c'est, qu'est-ce qu'on fait là? Attends, c'est un travail, c'est un travail. Mais Walex, mais t'es fou, non, là, vous travaillez. Tu critiques les gens comme ça, tu fais quoi, toi? Tu fais quoi? Tu travailles, nous, on travaille. Bah, moi, je travaille, oui, mais pas vous. Là, vous mais bien sûr, mais bien sûr que si, on travaille, attendez. Madame, entre nous, on travaille pour nous. Madame, s'il n'y a pas de méchant, comment tu travailles? T'as pas de travail, madame? Ça, c'est vrai. On arrête les excès de vitesse, vous voyez. On crie ton travail, madame. Les excès de vitesse? Mais ça, c'est les radars qui le font, c'est pas vous. Si vous voulez, oui, mais Mais s'il y avait que les excès de vitesse, demain vous êtes au chômage vu qu'il y a des radars partout. Oui, mais vous voulez pas travailler. C'est grâce à nous que vous avez encore du travail. Mais comment ça, légalement? En fait, pour nous, c'est légal. Moi, pour moi, je suis du bon côté de la loi. Qui rentre, qui est dedans, qui est dehors? On sait pas, ça dépend, chacun son point de vue. Bah là, vous êtes dehors là. Ah bah non, ça dépend. Ah non, vous savez pas, peut-être que c'est vous qui êtes dehors. Ah ouais, en pensant que le gouvernement veut votre bien, c'est vous que vous pensez. Peut-être c'est bon, vous êtes basé sur quel côté. Vous êtes dans votre justice, mais la loi, vous êtes clairement hors la loi là. Oh, la loi, quelle autre loi, monsieur? Qui a fait la loi? Only God can judge me! Only God can judge me! Only God! C'est Topak qui l'a dit, c'est Topak. Ah bon? Je trouve que c'est Balzac, croyons. Mais Balzac, il dit de la merde. C'est Topak! Only God can judge me! Anthony de Balzac, il a dit Honoré de Balzac. C'est pas vrai. Quel est Anthony? Tu crois que c'est un mec du 9-4 ou quoi? C'est pas vrai, Roya, Balzac, la Balzac. C'est pareil. T'as vu, on les a embrouillés. La, on dit un mot compliqué, après ils sont perdus. Roya, Balzac, tout ça. Roya, tu sais que là, on les a mis dans le dos, ils vont démissionner. Je pense que tu es du mauvais côté de la barrière. Alors, je crois, chérie, tu sais quoi, nique la police, nique la justice, demain, je fais une flica, je m'en bats les couilles. Et c'est flica? Bah, regarde Alba, elle a réussi. J'avoue, enfin elle a réussi, voilà. Enfin elle a réussi dans le sens, elle était de ce côté là, après elle a fait des flécales dans deux. Elle est tous les côtés, j'ai l'impression. elle est au comptoir, elle est barman, elle danse, elle fait tout elle. Alba, sa vie c'est l'unicorne. Alba, elle est où il y a de la place. Où il y a de la place, où il y a de la moula, incroyable. Oh là, c'est grave. Il y a pas l'hélico, tu penses qu'il est posé quelque part là? Ouais, je l'ai entendu. Une petite question. Oui, allez-y. C'est un Glock que vous avez dans votre main, non? Un Glock? Ouais. Ouais, c'est un Glock. Vous allez me dire, oui, c'est une arme de la police, etc. Non, c'est pas ça. Sac de cours. Okay. Oh, on achète tout sur le Darknet. Il y a tout qui s'achète hein, maintenant. Oui, vas-y, vas-y. Tiens, il y a le sac de cours. Sac de cours, ça? Attends, je vais sentir un peu. C'est salé un peu, donc c'est honnête. On peut avoir un otage, s'il vous plaît? Bah là, on a eu l'otage. Vous allez avoir les deux là. On va manger tranquillement. On va penser à un plan parce que bon, nous on n'est pas très futé, hein, vu que c'est pas notre travail, hein, on n'est pas très futé. Et du coup, bah, on vous lâchera les deux otages et puis on partira quoi. Parce qu'après, j'y ressors, c'est pas que je suis en retard. J'ai pas dit que vous étiez pas futé, hein. Non, Futé. Ça, c'est le charme. Et non, pas futé. Futulu. Ah, ok, ça marche. Bon, écoutez, on va aller manger. Bon appétit à nous. Si vous voulez venir, n'hésitez pas. Et puis voilà. Vous allez manger dehors, on est d'accord? Non, on va manger à l'intérieur. Non, on va pas dégueulasser le trottoir quand même, ça va pas ou quoi? Vous allez pas dégueulasser la banque? Mais clairement, non, la banque, bien sûr, on va dégueulasser. De toute façon, il y a que des dégueulasses qui travaillent à la banque. Vas-y, mon ref, pas Banks, ensemble. Qui c'est qui a une petite faim? Qui veut des chips? Qui veut des chips? Le premier qui ramasse, il a gagné. De quoi? Ah ouais, deux putain, vous êtes rentré avec des choux, d'accord. T'es stressé? Ah ouais, c'est stressé. Sérieux? Ok. Ouais, c'est pas facile comme métier, tu sais. Oh putain. Dis pas qu'il y a 5 secondes, qui fait mieux? Ah ouais, mais toi, tu peux te dire, allez les gars, c'est parti. On va se concentrer. On décolle. 1 km 40. Quoi comme voiture là? Qui? Et le locum. T'inquiète. Ce serait top. C'est gros 4x4 noir, il sera juste devant. Vous vous rappelez du chemin les gars, de toute façon vous me suivez. Hein. Vas-y. Je vais essayer de rouler doucement parce que regarde comment il colle. Si les distances trop, ça va porter en couille. Quand tu vas freiner. Tu penses? Non, quand tu vas freiner. Ok, attends. Je pense qu'ils ont compris en vrai. Attendez. C'est bon. Il y a un hélico qui nous voit. On arrive.
c'est bon. Arrête pas, troisième fois. C'est moi, c'est moi. Arrêtez-vous, bande de chenapans, arrêtez-vous. Ils ont fait de la merde. Non, non, mais non, mais non, c'est. Moi j'étais bloqué, regarde, j'étais bloqué. Pourquoi t'étais bloqué? Ah ouais. Parce que la voiture elle était bloquée contre le mur, j'étais obligé de passer au-dessus du capot et je me suis retrouvé derrière eux. Ah ouais, ah bon ils sont tous encore ah oui. Là. Ok, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Dites-moi, ça tombe pas les gars, moi ils voient les gars. Pour la voiture, ouais, t'inquiète, on me dirait. Ici le LSPD, arrêtez-vous. Je crois que j'étais quand même pas. LSPD, stop the véhicule now. On dit car, car, car en anglais c'est véhicule. Voilà. Ah oui merde. Stop the car now, please. Yeah, you crazy man. Ok, je sors de la cochée. J'ai des flashbacks de ça une fois, j'ai des flashbacks de ça une fois. Vas-y, tu passes, tu passes. Je vais. Putain, là, ça va pas bien encore. On a quoi, on a un véhicule? Ouais. On a des coups aussi. Les coups, je m'en fous. Ouais. Ok, ok. Les gars, on va aller. On va aller égout. Oh. On va aller égout, on va les bloquer, on va les braquer. Vas-y. Okay. Sinon, on dépose l'oco du coffre, il fait le plan Arcadus, tu vois pas? Non, le deuxième plan. Non, non, non. Allez, non attends, en fait, on a été trop lent. Ok. On a été trop lent sur le truc. Et en fait, c'est l'hélicoptère qui les a bien aidés, tu vois. Ils avaient grave les calls. Trois véhicules. Bientôt, on va t'en faire un peu. On les a tous repris. Ouais. Sinon, au pire. Les gars, on va te parler, ils vont nous attendre, c'est vraiment. Pardon, les canaux. Canaux. Ah, vous vous rappelez le truc où on reste bloqué, tu sais, quand il y a un truc en hauteur à 2 mètres. Ouais. Là, on les bloque là. On les bloque là, on leur tire dessus, on les fait. Il entend pas ce qu'on peut dire, qu'on peut dire dans la radio, s'il te plaît. Arrête de montrer le numéro, s'il te plaît. C'est Ils sont combien là? Ils sont combien? Il y a combien de flics dans les. Deux véhicules. Deux. Ouais, mais combien? Deux. Quatre policiers. Quatre policiers, ouais. Ça va être là en deux. Ça part pied. Ok, c'est descendu. Reculez. Montez. Vas-y go, remonte. Les mêmes places, les gars. Tobias. Mais c'est Kifta. Regarde, non, mais t'es là. Ouais, bah c'est bon, j'ai changé de place, c'est bon. Non, Tobias, non, là c'est ta faute. Question d'organisation, regarde, c'est fait exprès. Vas-y, c'est bon. C'est pour voir comment on s'organise, regarde, c'est fait exprès. Oui, mais tu restes comme un plot, monte. Ah ouais, mais non, c'est toi qui dois aller derrière. D'accord. Pas grave. L'important c'est qu'on est tous juste les gars, faut juste rester organisés, on reste ensemble. Là c'est bien, c'est parfait. Juste en fait, le truc c'est que tu vois, quand on descend, on gagne du temps, tu vois. Mais si on en perd après pour remonter dans le véhicule, ça sert à rien. Exactement. Ah ouais. Juste en haut. Il continue. Je sais pas s'il a le temps de faire un call ou pas. Non, du coup il vient de bouger. Vers le comico. Il y a plus d'hélicoptère, on est d'accord. Oui, il attend pas là. T'as le moteur, voir si on l'entend.
C'est bon là. On va aller QG, mais Doc, pas celui-là. Ok, dites-moi quand il est enlevé le masque parce que putain, il est vomi dedans. Ça secoue trop, d'ailleurs. Tu vomis, ouais, j'étais sérieux. Bah, on blague, ça secoue au prix de la foule. Ça va, ça va, ça va. Descendez, les gars, descendez tous, s'il vous plaît. Tobias ? Ouais. Je te tue maintenant ou j'attends un peu ? Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait quoi ? Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, okay. Y'a juste pour les places, faut vraiment en fait qu'on conserve les mêmes places, tu vois. Oui, mais après, rester devant bêtement, c'est j'ai fait une erreur, mais pour la bêtise. Regarde, non, le truc c'est que, regarde, écoute. Le truc c'est que t'es monté devant. Ok, t'es monté, ouais. On s'en fout, tu vois. Le truc c'est que lui, en fait, il attendait que tu te décales. Sinon, en fait, il aurait dû faire le tour du véhicule. Et le temps de faire ça, les flics revenaient et tout, tu vois. Toi c'est plus simple de ton côté, de passer derrière que lui, en fait, de faire le tour, tu vois. Et tu vois, deux secondes sur une poursuite, ouais, c'est énorme, hein, vraiment. Hein. Vas-y. Mais bon, alhamdoulilah, personne se fait attraper, ça fait plaisir. Alhamdoulilah. T'es pas kefta, pourquoi tu fais le mec là? Enlève ta tenue, frère. Là, on dirait on a tapé la Pacifique. Mais quelle tenue? Elle est bien maquillée. Ouais, ton masque là, voilà, il est clair. Il est bien, hein? Ah, Roya, ça fait bien, hein. Et fais, Zama, Roya, c'est te cherche la noix, c'est les noix qui vont te trouver. Ouais, je suis pas sûr de la phrase, mais c'est à peu près comme ça. Si, c'est ça. J'ai regardé. Ok. J'ai regardé sur l'internet. Okay. Oh, pardon, je vois ça. Oh là, t'es mal, les Mister Los Santos. Hamid, c'est ça va? T'es pas pour retrouver. Ouais. Pas trop stressé, tu peux enlever la cagoule, frère. Normalement, tout se passe bien. Les gars, vous savez. Ah, les gars, comme ça, vous donnez un indice à la police. Faut pas mettre ces tenues-là. Imagine, on sort, il y a tous les flics de Los Santos derrière la porte. Imagine, 1, 2 Ah, ça aurait été stylé de ouf. Ah, dommage. Il y a pas beaucoup de flics à Los Santos alors, mais je sais pas, c'est qu'il y a pas beaucoup de police ici. Bon, Drari, ça fait un plaisir. Une flica, une bijouterie, enfin une bijouterie, une flica, ça fait plaisir. Attends, il faut un véhicule maintenant. Véhicule, il y en a plein à voler, quoi, ici. Ouais, pas d'outils. Ah, mais pas d'outils. Quel dommage. Bon, là, quel dommage. Allez, on va. Attends, j'arrive, je. Attends. C'est bon, j'ai trouvé un véhicule pour vous, les gars. Merci. De rien. Allez, à demain, Inch'Allah. Et n'appuyez pas trop vite, hein. Ça bombarde, hein. Vas-y. Vas-y, les gars. Bonne nuit. Ils ont rien dit, hein. Rien, va où? T'as vu quand t'es un has de véhicule, on te donne une voiture comme ça, tu dis merci, hein.